On va faire bonjour à tous. Bonjour à tous. On va faire 2 heures de course, 2-3 heures de live, 2-3 heures de course vers midi. Vers midi, 13 heures, on va faire 2-3 heures de live. Je vais vous expliquer des trucs que j'ai vu ce matin, j'ai étudié un petit peu vite fait. Par rapport au pronostic de PMU, ce que je te parlais d'hier, quand tu ouvres l'application PMU, tu as des pronostics de chaque course avec le truc pronostic dans la course. Et sinon, quand tu te mets sur la première page de l'application PMU, tu as 2 petits traits en haut à gauche. Tu as tous les pronostics de la journée, mais ils sont diminués. Ils t'en proposent pas comme sur la course, ils t'en proposent 6 ou 7 numéros. Et en haut, les 2 petits traits en haut de l'application, ils te proposent 5 numéros, voire 6 numéros. Je vais travailler un petit peu, on va travailler avec ça aujourd'hui, on verra. On va essayer de voir ça, on va rajouter une dizaine, on va essayer de retrouver... voilà, on va essayer de retrouver ce que ça nous donne avec les dizaines comme numéros. Allez, à tout à l'heure les amis, merci. On va avoir une belle journée, c'est impeccable. Merci à vous. J'arrive. Je fais des partages sur mes pages et j'arrive, les amis. Salut, Malamine. Je partage sur mes pages, les gars. 2 minutes. Merde. Attends. Je vous mets une musique, je partage, j'arrive. Thank you.
les courses, les gars. On va commencer nos calculs. Beaucoup d'un, 2, 3, 4, 5 ce matin. Le 7 qui vient s'inviter. Le 6, le 9, le 8. Beaucoup d'un, 2, 3, 4, 5 ce matin. Bonjour à tous. Il est quelle heure là? Je suis un peu en retard. 12h43. Je suis un peu en retard. J'avais posté des messages. On passe un commentaire à 34 euros le 2 sur 4. On passe un. Salut Cyril. Ah ben voilà, c'est marqué. Attends, faut que j'enlève un truc là. C'est quoi celui-là? Donc on est rassuré. Déjà, je précise que dans la première, il y avait trois jockeys qui sont tombés. Donc les chevaux sont bien rentrés et les jockeys également. Et Kylian donc, faisait partie de l'eau. Vous pouvez nous parler aussi dans la première. On va le mettre là. Bah, celui-là, c'est quoi? Merde. Attends, j'ai deux chats là. Oui, mais celui-là. Ah oui, attends. Ah putain. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, regardez une courbe de référence qui va permettre de revoir en action Gareth de l'Arachie, hein, qui semble vraiment détenir une très bonne. On va faire comme ça. Salut Stéphane. Durant l'hiver, s'imposant, vous voyez dans le prix Jean Garnel, sur ces images, de France Cathy Lagarde, et Griminois, qui va retrouver aujourd'hui, il était associé ce jour-là à Stéphane Pagard, et là, il est monté par Mickaël Mangan, qui a remporté la première course du jour. Salut le Abdoul de... Vous affichez pas sur le chat comment ça se fait ça? Ça remonte, c'était en novembre 2020, le cheval, c'était... On met comme ça alors? Merde. Tout à fait intéressant. Attends. Pour vous dire que cette course l'an passé a été remportée par Tequila Sun. Vous venez d'écouter son entraîneur. Tequila Sun qui avait gagné plus d'une superbe lutte hein, avec Elegant Star. Et puis on avait également des Nadi Bellu. Ça marche pas. En 10e place de ce prix Raymond de Bourdon en 2021. Des Nadi Bellu qui est en vue. Le numéro 7, un code qui est basse pour cette jument, présenté par Erwan Gall, 2,90€, celle qui a également réussi à s'imposer. Abdou, Stéphane, salut Cyril. Comment ça se fait qu'il y a deux chats là? À la fin du mois de décembre, avant de se classer 5e dans le Grand Cross de Pau, au début du mois de février. Alors là, on évoque vraiment des chevaux qui peuvent espérer s'imposer. Je sais pas. C'est pour vraiment des très bonnes chances. Parc de Belleville, le numéro 6 est également à suivre. Parc de Belleville, donc deuxième du prix Ferdinand Rian. On va faire le calcul, les gars. Devant également Objet d'Or qui était tombé ce jour-là. Sa performance en tout cas était très bonne. Hein. C'est un cheval qu'on peut retrouver rapidement aux avant-postes. Parc de Belleville qui est très dur. Ça me fait chier de ne pas mettre le chat là. C'est quoi ce truc là? J'arrive pas à mettre le chat, les gars. Oui, d'ailleurs, les chevaux ont été profiés. À l'instant, de belles possibilités. Alors, parmi les outsiders, je pense que le Minois numéro 3 à 12 euros est à garder hein, sur cette sortie d'hiver. Une très belle possibilité. Alors, le Minois qui est tombé lors de sa dernière sortie à Mont-de-Marsan sur le parcours de cross ici même, mais sur un parcours un peu différent. Il y avait 4200 mètres à courir. Cette fois, la distance est plus longue, 4650 mètres. Il y en a qui reçoivent la paye aujourd'hui, les gars. Il faut viser juste. Il faut bien expliquer hein, si tu le sens ou pas ton prono. Je l'évoquais à l'instant, elle est la favorite, très noble. Vous avez quelques infos sur elle? Oui, Erwan Gall n'est pas présent. Hein, parce qu'il court le quintet à Auteuil aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, elle m'a fait vraiment très belle impression en présentation. Elle était très, très bien présentée. On va mettre celui-là comme ça. Hein. On va mettre l'application PMU sur l'ordi là pour faire nos recherches. J'ai mon ardoise impeccable. 28 février, hein, les gars. C'est le dernier jour. On a 5, 2, 3, 7, R2, C3. On a 2 As, 3, 7, R2, C2.
On a 1, 2, 3, 4, 5, R2C1. Faut mettre l'option tous les ordres, quoi. On a 2, 4, 5, 6, R2, R3C2. Qu'est-ce qu'on va faire, là? 5, A, 6, 7, Mont-de-Marsan, on l'a placé en 2 sur 4, Mont-de-Marsan. Avanche, R2C2, on a eu quoi? J'avais mis le... On a 2, A, 7, il y avait le 11, quelque part, il a été disqualifié, le 11, là, qui était arrivé, je sais plus où, là. Ah non, c'était 2, 4, 11. On avait le trio 2, 4, 11, j'avais annoncé 2 sur 4. À 8,70€ R3C2, le 2 sur 4 payait 3 fois 8,70€ R3C2 et le trio était payé 27€. Quand tu donnes 4 numéros, tu peux peut-être jouer le trio des journées comme ça. Les trios sont peut-être intéressants à jouer les journées comme ça. C'est pas les journées les plus faciles, mais c'est pas les journées les plus rentables non plus. Qu'est-ce qu'on a de la course d'avant là? 5-2-As. 5-2-As, 3-7. On a le favori ici, le 7. Donc on fait 17. On fait 18 et on fait 16. On a le 5 de la course d'avant qui peut faire 16 aussi. Le 5, il a 7,9. R3-C3. Il faut faire le 5 avec le 7 ou alors le 5 l'As. Le 5 et l'As, il faut faire 16. Ça fait 5 fois 2, 10 plus 6. On a encore 5, 2, 6, 7. La cote du 2,6 du favori, le 7 là. 5, 2, 6, 7 encore. Par contre, c'est une course, c'est un cross. C'est un cross, c'est un peu compliqué comme course. Donc il va falloir prévoir autre chose. Il va falloir prévoir autre chose. 5, 2, 5, 6, 5, 6, 2, As. Ou faire une suite 3, 5, 6, 7. Ou alors le 9. On prendra le 9. Le 9 est une belle cote. 9 et 6. 9 et 6, 15. Il faudrait qu'on fasse 16, 17 et 18. 9, 6, As, 7. 9, 6, As, 7. 9, 6, As, 5. Je pense que c'est préférable que vu les complexités que c'est, 9, 6, As, 2, 9, 6, As, 5, R3, C3, bon c'est parti, dommage, on verra tout à l'heure, on va s'échauffer là. On a la course d'avant, on a 6, 5 à faire, on a 11, 4 et 2. Effectivement, 6, 5, ils ont l'air pas mal, la R3, C3, avec le favori, le 7. 6, 5, 7, ça fait c'est pas mal. 6, 5, 6, 5, 7, 9. 6, 5, 7, 6, 5, 7, 9. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, peut-être aussi. R3, C2, 4, 5, 6, 7. Bon, on va voir. On fera la prochaine. Ah ben non, c'était... Putain, mais je suis con. Ouais. C'est chiant de changer à chaque fois. Faut faire une manœuvre pour changer à chaque fois. C'est chiant, là. C'était pas ça, les calculs. Comme à l'habitude, va on va essayer de donner un simple placé qui vaut le coup, là, qu'on croit vraiment. Salut Abdoul, salut Nini. On va essayer de croire un simple placé et on va essayer... Qu'est-ce qu'il nous met, Abdoul, là? T'as un long message, Abdoul. Hein. Toujours les messages à Abdoul. T'es toujours sur le 23, tout ça, là? Ouais, tu nous expliques tes calculs, mais tu nous fais pas voir si ça vaut le coup ou pas. Faudrait nous faire voir en vidéo. T'as pas une vidéo, hein, un lien de vidéo, où tu nous montres ça? T'as pas une vidéo où tu nous montres tes calculs, comment tu fais, là? Justement, j'essaie d'expliquer aux gens, moi. Après, bien sûr, il faut connaître les écuries, tout ça, quand même, c'est réconfortant, quoi. Tu peux pas partir sur un cheval alors que tu connais pas l'entourage, l'écurie, qui est ce cheval, qui est le jockey dessus. C'est pas facile pour parier. Là, on n'est pas en train de parler du quintet. Hein. Il y a 30 à 40 courses dans la journée sur l'application PMU en France. En France, t'as près de 30 ou 40 courses. Hein. Je suis pas en train de parler du quintet là, de la course du quintet. On va faire une dizaine de courses ensemble pendant 3 heures. Toujours pas de temps mort alors que les chevaux franchissent le mur.
cette fois, cet obstacle a été parfaitement négocié par tous les concours. On va faire une dizaine de courses ensemble pendant 3 heures, les amis. Yannini qui avait As-8. As-8, c'est quoi? En troisième position, Gareth de l'Arachi qui vient devant Objet d'Or. Lui-même est suivi par Denzo, compagnon d'entraînement. Ensuite, on retrouve le numéro 2, Espoir, donc qui attend. Un image d'Élite Dédé qui est en dernière position, alors que devant Espoir, c'est le numéro 4, Go. On va avoir beaucoup de suites aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 6, 9, 5, 7. Bah pour moi, c'est une suite parce que 5, 6, 7, 8, 9, tu sautes le 8, mais bon, tu le comptes quand même dans la suite, quoi. Mais bon, tu le mets pas, mais bon. On va avoir beaucoup de courses comme ça. Salut Abdo. Comment ça va, les amis? Là, je comprends rien, Abdo, ce que tu me mets là. Je ne joue pas les chevaux, je joue les chiffres. Car on joue pas les chevaux, on joue les chiffres. Bah, il faut connaître quand même qui est-ce qui est sur le cheval. C'est marrant quand même. C'est agréable d'en prendre compte. C'est bien d'en prendre compte quand même. Faut en prendre compte quand même. Quand t'es dans le trou du cul du monde, tu vas regarder tout. Hein. Avant de miser quelque chose, tu vas tout regarder. Parce que t'as envie de t'en sortir. Ça fait flipper, mais tu vas pas. Quand t'as envie de relever la tête, t'as envie de t'en sortir, tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas à l'aveugle non plus, donc faut regarder plein de trucs, Avec des ressources, devant notamment le numéro 9 Objet d'Or, ensuite on retrouve Denzo. Qu'est-ce qu'il y a, Abdo, ça va pas? T'es pas bien? À l'arrière, toujours le numéro 3 Grimminois, ou encore. Tu nous fais une tête avec ton machin? La favorite saute très bien. La prix Bagnot Multi. Prix Bagnot, c'est quoi prix Bagnot? C'est le quintet, ça? Ah, c'est le quintet, ouais. Au quintet, on a des on a 3600 mètres. Des haies à Auteuil. 13h50. Hein. Faudra pas oublier de faire aussi. On doit correspondre avec l'heure aussi. Hein. L'heure de départ d'R3C3, c'était 12h50, c'était ça? À Mont-de-Marsan, là, 12h50? Donc on devrait pas, pour faire l'As, le 2, le 5, on devrait retrouver dans l'arrivée. Salut Kita. On aime tous Kita, le trio, le quintet. On va regarder. On verra, on fait quelques courses, on va chauffer là. On va regarder. À Auteuil, des 3600 mètres, je serais pour faire une suite. Hein. Mais on va regarder ça, on verra tout à l'heure. Je serais orienté sur des petits numéros à Auteuil, mais bon, il y a 16 partants, on va voir. Vu la distance, c'est compliqué. Hier, on avait quoi au quintet, là? Hier, on avait quoi au quintet, les gars? 9, 12, 7, As, 11. On a 6, 7, 8, là, 6, 7, 4, 8, là. J'avais quoi, moi, 6, 7, 9, 9, 6, 7, 9, 6, 7, 4, 9, 6, 7, 5, 9, 6, 7, 9, 6, 7, As. Je voulais faire une suite 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8. On l'avait, là, la suite. Faut mettre l'option tous les ans, quoi. T'es mieux payé, si t'as l'option tous les ans de proposer pour... Pour jouer ton ticket, mets-le, parce que les rapports n'ont rien à voir. Hein. Mais il faut être rassuré quand même. C'est pas à mettre sur tous les paris. Hein. Il y a des paris, il y a des grosses cotes, tu peux laisser dans l'ordre que tu veux. Hein. On a une suite à 4, 5, 6, 7, 8, là. Il n'y a pas de 5, mais l'arrivée, c'est 6, 7, 6, 7, 4, 8, As. On va voir ça une bonne partie de la journée, ces genres d'arrivée là, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ou 6, 7, 4, 8, As, 6, 7, 7, 8, 7, 5, 6, 8, 7, 5, 9. On va avoir beaucoup d'arrivées aujourd'hui comme ça. C'est pas à jouer à l'aveugle.
Et c'est des numéros qu'il faut être attentif aujourd'hui. Là, on a le 2 en favori. Le 2 en favori, il faut qu'on fasse... tu vois, là, c'était combien l'heure de départ? 12h50, R373. 12h50, heure de départ. 8 et 4, 12. 8 et 7, 15. 12h50. 4 et 1, 5. 8 et 4, 12. 4 et 1, 5. 8, 12h50 de départ, R373. Arrivé, 6, 7, 4, 8, As. Ouais, c'est des petits calculs comme ça, mais moi, ça m'aide. Ça m'aide. R2C4 à Avanche, 2350 mètres, 10 partants. Prix High Park. La cote du favori, c'est 1,7. Il faut qu'on égale aussi 3 fois le nombre de partants. Ici, c'est 10 partants. Il faut égaler la course qui vient de se courir ici en R3, là, en Réunion 3, à Mont-de-Marsan. 6, 7, 4, 8 As. Il faut aussi égaler l'heure de départ, 13h05. Il y a plein de trucs à regarder, ça réconforte ton pronostic, quoi. Ça le solidifie, quoi. Un guitare, qu'est-ce qu'il y a? J'aime le trio quintet, j'ai joué à suite 10 trio dans le quintet. Bah, on verra tout à l'heure, je t'ai dit, je t'ai répondu, on verra tout à l'heure. On peut voir tous les calculs, mais il faudrait que tu nous expliques, Abdoul, parce que je te dis, tu as 50 façons d'avoir tes calculs. Tu as 50 façons d'avoir 23, tu n'as pas qu'une seule façon. Il faudrait que tu nous montres tes calculs. Salut Justine, As-13, 3-18 au quintet. As-13, 3-18 pour toi, Justine. Alors, ici, on a 2 en favori. Ou alors le 5. On va prendre le 2. Donc le 2 en favori, il faut faire 12, il faut faire 13, et il faut faire 11. On a 13h05 à faire. C'est une course compliquée ou pas? On va voir si on peut choper une belle cote. Est-ce que c'est une course compliquée pour choper une belle cote ou pas? Avant, R2C4. C'est des 6 ans, 5 ans, 9 ans, le 10 à 9 ans. C'est des belles cotes. On va regarder même comment ça s'appelle ça, le détail des conditions de la course. C'est de l'autostart. L'autostart, on est préférable à des suites de numéros que je te parlais, hein. Des 5 à 15 ans. C'est des 5 à 15 ans qui courent. On a de l'autostart à Avanche. C'est préférable de retrouver des suites, genre des suites de numéros, quoi. Et l'autre à Mont-de-Marsan, c'est quoi? À Mont-de-Marsan, c'est du steeple chase, des trucs comme ça aussi. Et il y a quoi celui-là? Ouais, c'est du plat. R3C2, c'était du plat. C'était comment les conditions? Enfin, c'est une piste en herbe, voilà. À Mont-de-Marsan, c'est une piste en herbe. C'est préférable pour faire des suites. Même si tu as un petit décalage d'un numéro, genre la course qui vient de se courir, là. 6, 7, 4, 8. Tu vois ce que je veux dire? 4, 5, 6, 7, 8. Ça faisait le multi, voilà quoi. Mais les pistes en herbe et puis les départs à l'autostart, on est préférable à des suites de numéros. Il faut viser juste, quoi. Il faut le placer juste. Là, on est à Avanche. On est R2C4 à Avanche. On est le lundi 28. Il y a 2350 mètres. C'est des 5 à 15 ans. C'est ça, c'est des vieux chevaux. R2C4. La course d'avant, on a 6, 7, 4, 8 As. On va essayer de prendre une cote. Il y a 10 partants. C'est une courte distance, enfin à 2000 mètres. Avec cette distance, on est plus sur du 8-3-5 en 2 sur 4. Ou à 7-4. On va regarder 8-3-5 à 7-4. Qui c'est cela? Enzo Ducoupi, l'As. Alicia Romaz. Eros Deving. On est avec Eros Deving cette fois,
Et le 8, c'est hyper classe. Le 5, Elato. Et le 3, histoire de copie. Il y a histoire de copie. Il y a Enzo du copie. À la vache. Je vais chercher un nom bizarre à mettre. Pourquoi pas. C'est un cheval qui a couru seulement à 4 reprises en Suisse depuis son arrivée. Hyper classe, hyper classe, Heroes Deving. C'est quelque chose comme nom à retenir. Hyper classe, Heroes Deving. On voit déjà que le présentateur a envie d'en parler, cela, à l'arrivée, là. Heroes Deving, hyper classe, Heroes Deving, hyper classe, Heroes Deving. Ça serait pas mal. Le 2 favori pour faire 10 partants, c'est 8 et 2, 10. On aurait le 8 de la course d'avant. On aurait le 7, on aurait le 2. 8, 2, 7. Vu le, c'est des 5 à 15 ans. On fait 8, 2, 7 et on met une petite note devant. Une petite note. Genre le 6, 8, 2, 7, 6, 8, 2, 7, 5. On fait 2 fois 5, 10. 8 et 2, 10. 8 et 7, 15. Moins 5, ça fait 10. 2, 8, 7, 5. En 2 sur 4. R, 2, C, 4. C'est le 4 qui m'emmerde, c'est le 4 qui m'emmerde, les gars. C'est le 4 qui m'emmerde, les gars. De 8, 7, 5, 4, mais ça m'emmerde. R2, C4. Rien n'y a jamais fait, sauf donc lors de sa dernière tentative où il est parvenu donc à dominer. 2, 5, 7, 8, 2, 5, 7, 6. Faire une suite. 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8. 2, 5, 7, 8. On reste comme ça, 2, 5, 7, 8. Attends, on va pas rester comme ça, on va regarder quand même qui c'est cela. Eliato, Elomis, Heroes Deving, hyper classe. Histoire de Pia. Avec Raphaël Fredo, Alisa de Roma, qui a couru 4 fois ici, qui est restée absente du mois de juin 2021 jusqu'au mois d'octobre ensuite. Dixième lors de ses premiers pas le 27 octobre, dixième et dernière d'ailleurs, vous l'avez complètement craqué. 5-6-2-8 alors, 5-6-2-8. Attendu à 70 contre 1 avec Victor Nunez de Oliveira, rendant d'ailleurs 5-6-7-8, 5-6-2-8, putain de merde. J'ai peur de faire une connerie, mais bon. 5-6-2-8 en 2 sur 4. On prend 6-8 de la course d'avant. 6-8 de la course d'avant. Il faut faire le 2 en favori. Il faut faire 11, 12 et 13. 5-6-2-8. 2 fois 6, 12. 5-6-2-8. 8 et 5, 13. 12-13. Et 6 et 5, 11. C'est pas mal. 2-5-6-8, c'est pas mal. Ça devrait le faire. En 2 sur 4, ça devrait le faire. Salut Charlie. Charlie, tu as joué As-10 en couplet, R1-C1. À Auteuil, on va regarder Auteuil. Justine, As-13, 3-10, 8 au quintet. Salut, passé. On va regarder. On va regarder celle-là déjà. On va s'échauffer là. Et voilà qui s'élance, c'est quasiment terminé d'entrée de jeu pour le 3, histoire du copion, Gracieux Le Foll au galop. Gracieux Le Foll qui vient de faire la faute, Marcel Imbert tente de le remettre, mais c'est quasiment impossible. Voilà, coup de théâtre, on s'est gêné également avec Alisa de Roma. Alisa de Roma qui apparemment n'a pas eu toutes ses aises suite à la faute de Gracieux Le Foll. C'est la première qu'on fait, on va se prendre une banane, tu vas voir, ça va nous remettre dans l'ordre. Qui passe à la trappe, et à ce petit jeu-là, bien c'est Étienne Passonné. Avec Hyperclass qui se sont installés en tête. Et Lato est en deuxième position avec Elomis, qui est troisième côté corde. Et Zolukopi est quatrième devant également numéro 9, Histoire Pia. Avec les concurrents qui sortent du tournant. Écoute ce que je te disais sur le cheval, là, le 7 et le 8. Là. Non, c'était lequel, le 7 et 8 là. C'était quoi le nom des chevaux, les noms bizarres. Hyperclass le 8 et Rose Deving le 7. Et Dette du Noir, le numéro 10, qui ferme la marche.
Il me reste encore un tour complet à parcourir. Je savais bien qu'il fallait pas que je mette le 2, j'étais réticent là-dessus. Un peu à mettre la pression sur Hyperclass, avec Histoire Pia qui se fait ramener, le vice est quatrième, suivi un peu plus loin par le numéro 1, Exo Lucopi, avec Hero Devi ainsi que Tête du Loir. Ils sortent du tournant, ou quasiment, pour aborder le début de la ligne opposée, avec Hyperclass qui a un petit peu de mal à cet instant à compter à l'accélération du numéro 5 et la taux. Et là, donc, il va prendre les commandes et qui relaie Hyperclass. Vous entendez, non ? Troisième position, Odalis, qui est à la corde. Histoire Pia et quatrième. Enzo Lucotti, Del Duloir sont un petit peu plus loin. Milieu de la ligne opposée, avec Elato, numéro 5, le fils de Rémi Cash, qui mène la danse. Avec en deuxième position, Hyperclass. Troisième position, numéro 6, Elovis. Histoire Pia, qui reste un petit peu en suspension, et quatrième, devant Enzo Lucotti, ainsi que Hero Devig. Tournant final abordé en tête par le 5 Elato. Elato qui se détache, qui fait du train. Hyperclass qui tente de s'accrocher. Elovis également. Faute d'Histoire Pia, le numéro 9. Alors qu'Enzo Lucopi est en 4ème position devant encore Del Duloir. Entrée bientôt de la dernière droite avec Elato qui a toujours la meilleure. Hyperclass qui tente de se relancer. Avec Elovis également qui est en 3ème position. Del Duloir qui n'a rien fait du parcours commence à se rapprocher avec Elovis qui se décale. Entrée de la dernière ligne droite avec Elato qui entre en tête avec en deuxième position en dedans Enzo Lucopi. Hyperclass qui essaie de se relancer. Et Elovis avec Pascal Schneider maintenant qui passe à l'offensive le temps qu'Elato est au galop. Avec Elovis qui prend l'avantage. Enzo Lucopi qui est à la corde. Devant Hyperclass et en dehors le numéro 10 Del Duloir. Del Duloir, Elovis, Enzo Lucopi qui bataille pour la victoire face à Hyperclass. Rien n'est fait à 50 mètres d'arrivée. Enzo Lucopi côté corde. Au centre, Elovis et à l'extérieur Del Duloir avec Sandra Monnier. C'est Enzo Lucopi. Qui va s'imposer la deuxième place pour Elovis, la troisième place 6-8 en 2 sur 4, ça passe. Tête du Loir, Hyperclass et quatrième. Non, c'était quoi? Ouais, 6-8 en 2 sur 4, ça passe. C'est des belles cotes là, non? Oh la vache, 6-8 mon pote, 6-8 en 2 sur 4, il va décoiffer mon pote. Aïe. Ah la vache, il va être beau celui-là, on va mettre un petit logo là. Il va être beau, mon pote, le 6-8 en 2 sur 4. Et bien, on a assisté à une belle explication entre Enzo Lucopi. Il y a la vache. Au centre, Elovis, qui a longtemps fait illusion pour la victoire, et en dehors, Del Duloir. Et c'est Enzo Lucopi, avec Jean-Claude Garda, qui va avoir le dernier mot, au dépens de Pascal Schneider et d'Elovis. À l'extérieur, Del Duloir et Sandra Monnier termine correctement. Il va être chouette, celui-là. Le 2 sur 4, il va être chouette. Hein. La vache, mon pote. Pour le numéro 7, Héros des Vignes. Un gros plan ici. Ah, moi je joue pas, mais si je peux vous faire gagner, les gars, et celui-là il est vraiment rentable. Je le sentais bien en plus en 2 sur 4, hein. La formule. Hein. Oh la vache, mamie. Il vaut le coup celui-là. Hein. On va mettre celui-là, tu vois. Merci Laurent. Sa mère, la vache. Surprise en Suisse et de beaux rapports en perspective pour ceux qui ont trouvé l'arrivée. Attends, on verra Charlie, on verra tout à l'heure. On va s'échauffer là. Suivez-moi sur les réseaux, les gars. Parier est un acte majeur. Si vous avez moins de 18 ans, profitez plutôt du spectacle. Ah, j'ai mes réseaux, les gars. J'ai celui-là. J'ai plein de Facebook, les gars, les pages Facebook, les gars. Comment que ça s'appelle? J'ai Twitch. Vous me suivez sur les réseaux, les gars, ça serait ma plus grande fierté, c'est que je puisse gagner sur les réseaux de la visibilité, puis. Qu'on puisse vous me récompenser avec des likes et moi je vous me récompensez, vous me soutenez par des likes et moi je vous donne des bons pronos, les gars. Et le numéro 6 GoFast également, des chevaux qui tournent un petit peu tous autour du pot en espérant que ça puisse payer dans cette course. Très bien. Pour ceux qui voudraient tenter le coup, pourquoi pas un super 4 avec vos 4 chevaux. Après, il faut choisir l'ordre, à vous de voir. Comment vous les positionnez. Merci Loïc, on va tout de suite retrouver Vincent, bien sûr, pour se rendre. Ok Charlie, ok. Mais comment...
Il y a celui-là aussi, il y a celui-là. C'est sympa, Charlie, c'est sympa. Il y a celui-là aussi, sur Facebook. Je vais te donner mon... Voilà, YouTube. Voilà. Tu peux pas jouer au Sénégal les courses françaises, non? C'est chiant, hein? Bientôt la course, ouais, ben je peux pas. Je peux pas, comment. Je préfère m'échauffer un petit peu quand même. Comment on fait là pour la. Attends. Allez, on va faire l'autre. Là, on part où là? On part à Mont-de-Marsan. Putain, celui-là, il va être bon, le 2 sur 4 de ses morts. Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, le 6 favori. Il reste 10 minutes. Le 6, le 5 ou le 2 en favori, là. On va regarder le 6. Faudrait faire 16, faudrait faire 15, faudrait faire 17. La course d'avant, on a quoi? A6-10. A6-18, combien on a la course d'avant? C'est quoi de 5ème la course d'avant? J'ai pas vu, merde. A6-18. De rien, Gabin. J'aimerais être 5ème de la course d'avant, R2-C4, je sais pas qui c'est. On a la cote du favori à 3,1 ici, là. R3-C4. Alors, c'était quoi le calcul, là? Il montre un peu un brin de moyen, quand même. D'accord. Il y a 9 partants, là. Ah, ça serait bien, en plus, qu'on fasse un super 4. On va regarder les complexités que c'est à Mont-de-Marsan, R3-C4, à 1400 mètres. Tu vois, la suite, il y avait 10 partants... Il y avait 10 partants, R2-C4. La suite, c'était 8-9-10-As. Il n'y avait pas le 9, mais 8-9-10-As. Ouais, vers la suite, mais c'est des suites aussi pour moi, mais bon, comme on tourne en rond tout le temps, mais bon, bref. Il y a des belles cotes, là. R3-C4. C'est quoi les... Pourquoi il y a des cotes comme ça, énormes, là? Aussi rapide, elle avait couru sur des terrains qui étaient... C'est des 3 ans, c'est une piste en herbe. Piste en herbe, c'est des 3 ans. Des ongles, des femelles, des mâles. On va chercher un nom bizarre, il y a Rafale, le 8. Il y a le Kazakh de Guy Parient, qui va être défendu par Gofaz. À Gofaz, c'est quelque chose. Didi, le 7, 8-6-7. On n'aurait pas le droit de participer à la course. Pas de victoire, mais en revanche... Trois sorties intéressantes, un quatrième, deuxième, troisième. Hugo le 2. Ils ont tous des noms bizarres. À 3 euros le favori. À 3 euros le favori, on va prendre le 3 ou pas? 3,1. On prend 3,1 ou quoi? Attends, on va regarder. L'arrivée d'avant, il y a 6-18 quoi, je sais pas. À 6-18, j'aimerais bien savoir le cinquième de la course d'avant. Ou sinon, on va prendre autre chose. On va faire, pour faire nos recherches, on va faire autre chose. Le cheval est bien. Il apprend son métier. Il progresse de jour en jour. Il est pas encore... On va faire autre chose. R1, C7. Attends, salut, Evra. Si on comprend, c'est un peu l'état du terrain aujourd'hui avec la distance qui est un peu longue. Ah, Gabin, Evra, je t'appelle comment? Je t'appelle... T'as 50 surnoms avec moi. Attends, je regarde un truc. Faire les recherches. On va regarder les pronostics d'R3-C4 de PMU, là. R3-C4. Vous voyez à droite de l'image le numéro 2, c'est Hugo C.
1-7-5-6-3. 1-7-5-6-3, le pronostic de PMU. Donc on va prendre l'As, le 3, on va rajouter. On va faire 11, 12, on va faire 10, on va faire 3, 13, 14 et 12. Pour faire mes calculs, hein. Pour faire mes calculs, les gars. Donc on voit les chevaux entrer en piste, on va écouter Didier qui vient. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué cette candidature. C'est du plat. J'avais un peu oublié ce numéro 3 sur cette distance, l'état du terrain, on évoque ça tout à l'heure. 3, 4, 5, 6, non ? Non. Avec Antoine. Oui, après, c'est des jeunes chevaux, ok ? Il n'a pas spécialement bien fait. Je pense que sur le gazon, il sera beaucoup mieux, j'espère. Mm-hmm. Voilà, c'est un cheval qui est assez émotif, qui est très allant aussi. Il va être chiant celui-là à déchiffrer. Sur les 1004 justement, c'est mieux que sur les 1006 que l'on a vu la dernière fois sur la PSS. Oui, il a de la vitesse, mais quand même, il est quand même très allant, il a tendance à évoluer très contracté. On va le mettre derrière et pour essayer de venir bien finir. Merci bien. Code de 10 euros pour un Popolish Ball, qui a une valeur handicap de 34, il était en 33 de valeur avant sa dernière sortie. Cinquième le toujours, alors que Chaladissima, qui le retrouve aujourd'hui, se classait quatrième. Et vous voyez ici, justement, Chaladissima. C'est du plat, ok, c'est du plat, c'est 1400 mètres, c'est Mont-de-Marsan. La course d'avant, on a A6-18, A6-18 quoi la course d'avant, je ne sais pas. Et dans son sillage, un profil à fleurier, c'est le numéro 7, Dizzy. Je trouve contraire que de faire une rentrée. En tout cas, ces deux premières sorties à l'âge de 2 ans étaient assez encourageantes. Alors, on va faire une petite parenthèse avec vous, Reynaud. Hein, on va revenir sur la deuxième. Terrain très souple. Une course à réclamer. Et vous avez justement les réclamer. Exactement, il y en a qu'un qui a été réclamé. C'est Gorek, qui portait le numéro 4 et qui avait terminé deuxième de cette épreuve. Il a été réclamé par Jean-Laurent Dubord pour le compte de M. Nunzio. Je pense que c'est un cheval qui rejoindra rapidement, je pense, l'écurie de Christophe Esculaire. D'accord, je vois qu'il quitte l'écurie de Jeanne Soubanier et qui devrait prendre la direction du sud. On a quoi ? On a 3, 5, 6, As ? 3, 5, 6, As ? 3, 5, 6, 7 ? 3, 5, 6, As ? Dernier jour, quand même. Belle course, la calme. Hein. Moi, je disais de ne pas lui faire compter, effectivement, donc en cours du département 06, c'était samedi. Préférence dans cette épreuve, Reynold. Bien écoutez, moi j'aime bien le numéro 6. J'aime bien Go Fast dans cette course. Après, là, c'est vrai que. 3-5-6-7, 3-5-6-As. Par rapport à la. C'est quoi le quatrième de la course d'avant, R2-C4 ? Je ne l'ai pas moi. Certainement ce numéro 5, hein, j'ai révisionné ses. Ici, on boucle dans 20 minutes. Gaba, ouais, mais ouais, j'attends. Auteuil, 13h50 le départ en France. Ici, nous jouons toutes les courses. Bah ouais, ben bah, j'essaie d'en jouer pendant 2-3 heures. Charlie, un 16 partant et un C1. Attends, je vais m'y mettre. On regarde celle-là, les gars. Je l'ai pas vraiment exprimé, en fait. Il était très occupé. Bon, il voulait pas, en tout cas. C'est prêt au micro parce qu'il est occupé, mais. 3-5-As. On n'avait pas une course tout à l'heure, As-3-6 ? Ah oui, il y a la base militaire, je ne sais pas si vous êtes déjà venu. As-3-6-8, As-3-6-7, As-3-6-5. On n'avait pas un truc comme ça tout à l'heure, As-3-7-5 là encore ? As-3-7-2 là ? 5-7, 1-2-3 ? Non, le 2, j'en veux pas, mais. Justement, regardez, on retrouve à l'image cette pouliche présentée par Damien de Vatrigan. Deux sorties à 2 ans, on n'a plus revu depuis le 11 décembre, hein, troisième en débutant et cinquième la fois suivante. Ces deux performances sont tout à fait correctes. Très joué d'ailleurs lors de sa deuxième sortie. 6-5-3 quoi ?
6-5-3, quoi? Tout à fait régulière ici. À Contigo, Antoine de Vassilou. 6-5-3, quoi? Il espère pouvoir faire ça, terminer sur le podium. 6-5-3, couplé placé, j'ai pas le temps de faire le reste. 6-5-3, couplé placé ou quoi? De gagner aujourd'hui, en tout cas, le voir remporter un handicap rapidement, ça semble plus qu'envisageable, vu sa dernière sortie. 6-5-3, 6-5-3-8. L'épreuve aujourd'hui pour lui, c'est qu'il y a des valeurs supérieures à la sienne. Et nous allons parler de Rafale maintenant. Ah oui, puisque Vincent vous en parlait. La course d'avant, on a le 8, hein, 6-5-3-8, 6-5-3. Attends, je vais le marquer pour voir, ça va peut-être me parler. Et après, sa deuxième course était un peu décevante, mais c'est un peu dû à la météo de ce moment-là. 5 et 3, 8, la course d'avant. On a le 2, on a 6 et 2, 8, ok. On a 6 et 5, 11, 1 et 1, 2, le 5. Ou l'As, on a l'As, le 8, le 6 de la course d'avant, As 8, 6, avec 6, 5, 3, on a As 8, 6 de la course d'avant. 6, 5, 3, quoi? 6, 5, 3, 8, 6, 5, 3, 7. 6, 5, 3, As, lequel qu'on prend? Bon, j'attendais une belle performance, je pense que la droite sera mise. Merci, vous avez tout dit. Merci, on connaît maintenant sa condition physique. 6, 5, 3, 7, alors. En trio, 6-5-3-7. R3-C4. C'est vrai que cette première sortie avait été vraiment encourageante à Pau. Après, il faudrait faire 15-16-17, 10-11-12, 12-13-14. Alors, ça ferait quoi, ça? On a 7-5-12, ok. 6-7-13 et 14, comment on fait 14? 3 fois 5, 15, et ouais, 14. 6-5-3-7. Salut, Ray. Salut, Timizard, ça va bien? Après, on a 5 x 3, 15, avec le 16, 5 x 3, 15, et 17, on est pas mal. On est pas mal, 6, 5, 3, 7, on est pas mal en trio. Salut Ray Timizard, salut Nini, salut les amis. On arrive au quintet, les gars. On vient de faire un 2 sur 4 de folie, là, R2-C4. Regarde-moi le 2 sur 4, R2-C4, la valeur qu'il a. Oh putain, il est pas bien riche, 30 euros la vache. Putain, il est pas riche, hein. Vu les codes qu'il y a. La vache, la merde. Bah, chez moi, il est à 30... Chez vous, il est peut-être plus riche, mais chez moi, le 2 sur 4 est à 30 euros. Ah, c'est dommage. Dommage. Bon, on va regarder R3-C4. J'ai envie d'attendre, Charlie, j'ai envie d'attendre l'arrivée là, d'ici là, pour faire mes calculs. Là. L'arrivée de la course d'avant. Là. On a du bénéf quand même, R2-C4, mais je le voyais plus cher payé que ça. On a du bénéf R2-C4, on a du bénéf, je sais plus quelle course aussi. Ah oui, j'avais donné des commentaires aussi, hein, qu'on est bien payé dans les commentaires. J'avais donné des commentaires avant de faire la course. Après, on va à Auteuil, prix de Beugnot. C'est 3600 mètres. On va noter l'arrivée là, qui va se faire pour faire nos calculs. On va noter l'heure de départ, 13h50 du quintet. On est R1-C1 au quintet. Attention, une cote à 11 euros ou alors le 11. La deuxième place, prise par le numéro 5 à Contigo. Troisième place pour le numéro 7, Dizzy. Quatrième place, conservée par le numéro 6, Gofas. Oh putain, on a de super 4, les gars. On a de super 4. On a de super 4 aussi ici. Il faut mettre l'option tous les ordres sur les tickets en France, les gars. Je sais pas comment ça se passe chez vous, mais... On va mettre un autre machin rigolo là. Attends, il n'y a pas un autre truc là, ah, je suis fou ce matin, je suis fou, qu'est-ce qui se passe? Le truc de fou les gars. Ah, super 4, il devrait faire peut-être 100 euros quand même celui-là. Mettre l'option tous les ordres les gars, faut mettre l'option tous les ordres.
Team Lizard, As-4-10-13-8-3-5-12. As-4-10-13-8-3-5-12. Le quintet hier, Team Lizard, bien vu. Hein. R1-C1, 2 sur 4, Blaise. Salut Mourad. Alors, 3-5-7-6-9. Le quintet d'hier, on a l'arrivée qui vient de se faire là, 3-5-7-6-9. 3-5-7-6-9. On va regarder le hier ce qu'on avait au quintet. Hier au quintet, on avait 9-12-7-11. Et terrain mesuré à 4,4 collants pour cette couverture sur l'hippodrome d'Auteuil aujourd'hui dans le haut du tableau. Attention, une cote à 11 euros, hein, pratiquement peut-être une cote à 11 euros, ou le 11 en gagnant, ou le favori, ou alors 6-9 comme hier. R1-C4, ça ferait 14, une cote à 14 euros, le 14 ou le 6-9, ou le favori. Là, on a le R1-C1, on fait une cote à 11 euros. Ou le favori, ou alors 6-9. Mais bon, regardez. On va regarder. On a l'as, le favori, donc il faudrait qu'on fasse 11, 12 et 10 par des calculs. On a une cote de 6,3 du favori en France, ou alors on va prendre le 10. Le 10 en favori, peut-être qu'il va descendre le 10. Là. On est à Auteuil, les gars. 3600 mètres. Pour la présentation des forces en présence. Et attention, attention, maintenant, ça va être le duel du jour. On prend qui le favori? On prend Bonaparte Zizing. Et oui, un duel entre ou Okusei Valis. Les noms bizarres qu'ils ont là. Des 5, 6, 8 ans, 9 ans. Qu'est-ce qui se passe à Auteuil pour le terrain? C'est une piste en herbe aussi. Hein. Je t'ai dit les pistes en herbe. Je t'ai montré la piste en herbe. Attention, suite. Hein. À Mont-de-Marsan, là, 3, 5, 6, 7, 8, là. À Avanche, il y avait 10 partants, 8, 8, 10, 8, 9, As, là. 8, 9, 10, As. 6, 7, 8, même. 6, 7, 8, 9, 10, là. Il n'y avait pas le 9, mais bon, on l'imagine pour faire la suite, quoi. C'est pour te fixer une image à Auteuil. C'est une piste en herbe. La suite, on la place où, à Auteuil, là? C'est des vieux chevaux, là. Avec les numéros 10, 13 et 11. Attends, on va regarder. Merci pour vos réponses, Mourad. 3-5 pour toi, 3-5. Gagnant. Voilà l'investissement de Loïc. Et attention maintenant, la réponse de Charlie, que je salue également. Hier au quintet, on reprend lequel d'hier au quintet là? Entre 9, 12, 7, As, 11, on reprend lequel d'hier? C'est un cheval qui est toujours très percutant sur ses rangées. Le 12, on peut se le prendre en 2 plus 1, ça fait 3, ou 1 plus 1, 2? On va regarder. Le code quintet. Bah attendez les gars, mettez-moi pas de pression non plus, parce que ça va me saouler. Je vais faire de la merde. 13h50 à faire. 13h50, comment on fait 13h50 déjà? On fait 13h en As-3 ou on fait 13h en As-3-5? As-3-5-4? C'est quoi celui-là? As-3-5-4, ça veut dire quoi ça? Très bien, mais écoutez, que le meilleur gagne, hein, c'est ce que je dis généralement. Et voilà, maintenant ça va être Auteuil, retour d'Auteuil en 2022, journée du Grand Cipe de Chess Master, on va en parler bien sûr tout au long. As-3-5-4, merci mon ami, merci Rachid. Attends, deux minutes. À 13h50 de départ, réunion 1, course 1, à Auteuil. Faut se répéter les gars. Bonaparte Zizing, Montis, Galopard des Malmes, Lyon Clermont, Beautiful Mold, Gentilhomme. Tu vois pas le chroniqueur qui dit Gentilhomme. Le 6. Il y a 16 partants, on a 6-10 ou 6-As. 6-10 ou 6-As.
mois de mai, c'est dans 3 mois, mais ça commence dès aujourd'hui avec, dès le Clermont-Tonnerre, Jacques, des enseignements à tirer, et notamment les 5 ans dans l'angle qui affrontent... Un 16 partant, 6 As ou 6 10, on a une cote de 6,2 de favori. Qui va servir de valeur étalon quelque part. Oui, tout à fait, hein. Nous avons la génération de des 4 ans qui a pris 5 ans, qui va affronter les vieux, et donc pour les entraîneurs, bah, ça permet de citer le programme, comme vous l'avez dit, le grand 6-10 ou 6-1, ça veut dire quoi ça? Le grand 6-10 de Paris, c'est un marathon, ça se prépare bien en amont. Carrefour était le favori du Clermont-Tonnerre, vous l'avez vu dans son box. Charlie, bonjour à vous. Bonjour à vous, Daniel. Le grand 6-10 de Paris, c'est dans 3 mois, ça peut paraître loin, mais ça commence dès aujourd'hui, je reprends la même formule. N'oublions pas que par le passé, Lynn Marin, lauréate 2003, du Grand Cipoll Chess de Paris avait commencé son année. Avec là, son favori, il faut faire 12, 11 et 10. Est-ce que le favori va rester là ou va passer 10? Avec le 10, on aurait quoi? On aurait 9 et 11. De Paris avec beaucoup d'autorité. Bien écoutez, elle avait réussi à le faire. En plus, elle était même déjà du meeting de Pau l'hiver précédent, donc elle n'avait même pas démarré sa saison au Clermont-Tonnerre, mais même bien avant, du côté des Pyrénées, là où on traîne évidemment. Font beaucoup entraîner en tout cas les chevaux de l'écurie Bouillard. Et c'est vrai qu'elle n'était que la troisième à réaliser ce doublé de Robert de Clermont-Tonnerre, grand triple chef de 10, 6, 16, As. Dès aujourd'hui, faut gagner le prix Robert de Clermont-Tonnerre pour gagner le grand triple chef de Paris. L'histoire, pas forcément, puisque Ben Lavi, qui a gagné 10 ans après Lynn Marin le grand triple chef de Paris en 2013, avait attaqué son année dans les préparatoires dans le Clermont-Tonnerre en étant en deuxième de Farlo Zemmott. Tout ça pour vous dire voilà, qu'il peut y avoir, je ne sais pas s'il y a un futur Lynn Marin ou Ben Lavi aujourd'hui au départ, mais une chose est sûre, Charlie, nous retrouverons dans 3 mois pas mal de concurrents qui se présentent aujourd'hui dans le Clermont-Tonnerre. Oui, a priori oui, et puis beaucoup d'entraîneurs vont pouvoir savoir s'ils peuvent poursuivre sur la filière ou s'arrêter là et trouver des chemins de traverse. Vous le disiez, Gianni, notamment pour les 5 ans. On verra le cas de Lelystrac, un vainqueur de groupe 1 l'année passée à l'âge de 4 ans. C'est très excitant de voir un peu à quoi ressemblait notre génération. On va regarder le 7 et le 4, qui c'est cela, le 7 et le 4. 45 pour la première. Cookie Lyon, le 7. Le 4, c'est Beautiful Mode. François Nicole, le 4. Ouais, quand même. C'est Cariacou qui est pour le moment le favori de l'édition 2022 de ce Robert Clermont. Lyon-Clermont, le 5. Ah ouais. 6-5-4, A6-5-4 ou 10-6-5-4, c'est possible. Je vais essayer de tenir mon rang. Bonjour Gianni, bonjour à tous. Et soyez les bienvenus ici côté écurie, côté coulisses. Et qui fait fortune le 13? Il y a un nom bizarre celui-là. Sachez que Cariacou est juste ici. Il est arrivé. Je crois que le 13, on va le mettre en tête ou en 5e position. On en saura plus sur son état de forme, mais le cheval est là, prêt à recouvrir ce prix de Clermont-Tonnerre qui court régulièrement. Alors, on fait quoi là? L'année dernière, battu par des chevaux qui ne sont pas là aujourd'hui, ce sont les Galop Conti, les Grands Champs, des chevaux de qualité d'ailleurs. Et du haut de ses 10 ans, il est le favori de ce Clermont-Tonnerre. En quelques chiffres, c'est 10 ans, 38 courses, 10 victoires, 25 places. C'est-à-dire qu'en plus d'être bon, il est extrêmement polyvalent. Il avait attaqué sa carrière par une victoire à l'âge de 3 ans, qui est assez rare pour les chevaux d'Isabelle Paco, qui viennent souvent avec le temps. Il avait débuté, gagné à Compiègne, en haie, à 3 ans. Il avait déjà montré là qu'il avait de la qualité. Cariacou est là, prêt à défendre son rang de favori. Voilà pour les premières infos en coulisses de ce prix Robert de Clermont-Tonnerre. Merci François. Le décor sera complètement planté une fois l'état du terrain connu. Sachez que la piste, en dépit du soleil hein, de ces derniers jours sur la région parisienne, le terrain est annoncé collant. 4,4 au pénétromètre, deux non partants pour le moment, le 208 et le 816. Et c'est l'heure de passer à l'étude du tiercé écarté Quintet Plus. Vous avez pu voir le duel d'experts qui a opposé donc Charlie, Millepied ici à Auteuil et Loïc Sarro à Colombes. Les chevaux sont dans le rond de présentation. C'est le numéro 1, Bonaparte Sizing, qui est le favori, c'est le tenant du titre. C'est un cheval, Jacques, qui a la réputation d'être performant d'entrée de jeu sur sa rentrée. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter du fait que l'élève de Jean-Bertrand Balanda effectue son retour aujourd'hui face à des chevaux qui arrivent de Cagnes ou de Beau. Oui, c'est un cheval qui est adepte de ses handicaps, puisqu'il a déjà remporté, puis il court toujours le handicap. Après, on a 9, on a 12 de la corde avant, on a 7, on a l'As. Comment on fait le 11? On fait le 11. Et l'arrivée qui vient de se faire, on a quoi? 5, on a de 5, on a de 7, on a de 6,
Il avait gagné un prix Bonio l'an passé, en portant 71 kilos. Donc pour rebondir sur les propos de Jacques, hein, c'est un cheval qui est porté. A5-6-10, les gars. A5-6-10. A5-6-10, quoi, hein, comme vous pouvez le constater. A5-6-10-8. A5-6-10-13. Je crois qu'il va falloir du 5-10-13 ici. Hein, 5-10-13. Hein. A5-6-10, c'est quoi 5-6-10? Jean-Marc Andrada qui lui a mis les meilleurs australiens en automne passé, comme s'il avait besoin d'un petit plus peut-être pour pallier cette nouvelle valeur. Et à ce risque, ça a bien fonctionné. A5-6-10, c'est quoi qui vient avec A5-6-10? Avec le 5, il vient souvent le 4 ou le 3? Jean-Marc Andrada qui lui dit on va conclure la même chose. Il faut dire qu'avec ce cheval, A5-6-10-3. A5-6-10-3. C'est clair, il arrive toujours à. Tant qu'on peut le courir, et tant que c'est possible, on y va. Après, on verra. Quand on pourra plus le courir, on changera de discipline, on verra bien. Enfin, le cheval a passé un peu. A5-6-10-8, A5-6-10-3, A5-6-10-9. C'est à son pilote de faire la différence. C'est quoi la distance? C'est 3600 mètres, les gars. 3600 mètres. Ah putain, ça me fait chier de poser ça quand même. Les conditions météo ont été assez clémentes, hein, cet hiver. Donc pas de problème pour les Parisiens, entre guillemets, qui font leur entrée. Face à des chevaux qui se présentent en conditions... 3 x 5, 15, et là, 16, 3, 5, à 16, As 3, 5, 6, As 3, 5, 6, As 3, 5, 6, quoi. Face aux chevaux de meeting, il y en a un qui a bien performé cet hiver au cours de meeting. As 3, 5, 6. Le numéro 10. Je parle de lui parce que c'est l'opposant direct au favori de Bonaparte Rising, c'est le deuxième favori. Il est à 6,90€. Ouais. C'est vrai qu'en plus, c'est un profil qui est un petit peu atypique dans le sens où son entraîneur Laurent Diel l'a d'abord couru dans des courses à conditions réservées aux AQPS, ici sur le cycle d'Auteuil. Il a pris son expérience là-dessus et ensuite il est venu attaquer les handicaps. Et finalement, certes, il n'a que 5 ans, mais il a beaucoup plus de vécu que d'autres concurrents du même âge. Donc maintenant, il est endurci et il a réussi cet hiver à briller dans les handicaps. Alors, Septior lui a couru cet hiver. Et la course d'avant, les gars, on avait 3, 5, 7, 6, 9. On va pas prendre le 7, on va prendre l'As. 3, 5, As, 6, 9. Donc on laisse bosser, il revient après. Très bien. As, 3, 5, 6, 9. As, 3, 5, 6, 9. La cote du favori à 5,9, les gars, c'est un signe. As, 3, 5, 6, 9. On est une course compliquée, ça, à Auteuil. As, 3, 5, 6, 9. On va mettre en 2 sur 4. C'est compliqué ici. 2 sur 4 peut-être trio. As 3, 5, 6, 9. As 3, 5, 6, 9, les gars. Peut-être 2 sur 4. On va plutôt assurer en 2 sur 4. As 3, 5, 6, 9. Moi, je me cours tout le temps, celle-là, parce que je sais qu'il y a une suite, mais je ne sais pas où la placer. Je la mets là parce que j'aime bien, mais j'avais envie de reprendre. J'ai eu un flash sur reprendre l'arrivée qui vient de secourir, mais remplacer le 7 par l'As. L'arrivée qui vient de secourir, c'était où, là? La R3, là. Réunion 3. À Mont-de-Marsan, 3, 5, 7, 6, 9. On met 3, 5, As, 6, 9. Hier, on a 9 As. Si on met l'As et le 6, ça fait 7. On a 9 As 7 du quintet d'hier. On a 6 et 7, 13, moins là, ça fait 12. Et le 11, 5 et 6, 11. On est pas mal. L'autre possible quintet, c'est avec A5-6, A5-6-10. A5-6-10, 4-3, A5-6-10, 4-3, A5-6-10, A5-6, 4-3, A5-6, 4-3. A5-6-4-3, on reste devant. A5-6-4-3. Mais bon, vu ses performances, c'est clair qu'il est compliqué à retirer de Quintet. Ouais, il est même retenu très haut par les Turquies, c'est deuxième favori. François, vous êtes avec Mathieu Pitard. Votre jument. Bon, je mets que ça. A3-5-6-9, A5-6-4-3. Préférable en jouer en 2 sur 4, mais c'est des belles cotes, j'espère que ça va être bien payé. Salut, madame Mine. Le 11, Nini, pour toi le 11, 10, 11. Rachid, 135, le code, 13, 4, 5, As, 3, 9. Moi, j'ai pas le quintet, Morad, hein. J'ai 5 numéros en 2 sur 4, là, c'est compliqué pour un quintet. On est tout, tu vois, nos pronostics, il y a aucun qui est le même, qui ressemble. Il y en a aucun qui ressemble, donc c'est pas jouable. C'est pas ce quintet-là qui est jouable.
tout le monde vient de recevoir l'appel, il aimerait un beau quintet, mais on ne le fait pas là. C'est pas celui-là. Il y a des super 4 à jouer, des trucs comme ça là. R3, C4, on vient de faire un super 4. Combien il est payé? À 633 euros, un super 4, R3, C4, il est bien payé. Il faut mettre l'option tous les ordres. On l'a eu, hein. Le quintet, là, il est... C'est pas jouable, ça. C'est pas jouable, le quintet, il est pas jouable. C'est pas la course d'aujourd'hui à jouer. 3600 mètres, des haies, Auteuil, le temps il... la piste est meuble, c'est une piste en herbe ou je sais pas quoi. C'est injouable, ça. C'est injouable. C'est pas celle-là qu'il faut jouer, les gars, aujourd'hui. La course, c'est pas le quintet. Il n'y a pas que la course du quintet à jouer, les gars. On vient de faire 634 euros la course d'avant à Mont-de-Marsan. On a fait tout à l'heure un 2 sur 4 à 34 euros. Je sais bien qu'on rêve tous de gros gains, mais justement, c'est pas jouer à Auteuil, là. Si tu rêves de gros gains, faut pas jouer à Auteuil, là. Pas jouer ça. En 2 sur 4, 5 numéros, tu imagines, ça fait combien déjà? 5 numéros en 2 sur 4? Ça fait cher quand même. Moi, je peux pas mettre 35 euros sur une course à Auteuil comme ça. Ou c'est que. Il y aura des difficultés, c'est certain. Vu la distance et longue distance, il va y avoir des abandons ou je sais pas quoi. C'est pas jouable. Mon truc, le 5 et 6, peut-être en simple placé, 5 et 6, quoi. Ou 5, 10, 13 en simple placé, 5, 10, 13. Ou 5, 13, qui fait fortune, le 13. Il est marrant, son prénom. On voit bien le pronostiqueur à dire qui fait fortune. Ou alors avec le 5, Lyon-Clermont, Gentilhomme, le 6. Des noms bizarres comme ça, c'est pas mal. Il y a Grand Départ, le 9, mais il est cher payé, mais à chaque fois, on se fait baiser par le 9 à ces quintets-là. C'est pas fou, hein. 9 et 6, 15, 5 et 1, 6, pour faire 16 partants, 9 et 6, 15, 5 et 1, 6, plus là, ça fait 16, hein. Ou plus le 10, ça fait 16. 6, 9, As, 10, 6, 9, As, 6, 9, As, 5, 6, 9, As, 5, 6, 9, As, 10, 5, 6, 9, As, 5, c'est possible, hein. À chaque fois, je me fais baiser entre le 6 et le 9, là. Je prends les cordes trop petits. 6-9 à 5-8. Je vous mets le dernier, 6-9 à 5-8, mais... Peut-être le 6 ou le 9 gagnant. Hier, on avait le 9, encore une belle cote. 6-9 à 5-4, 6-9 à 5-8. Après, s'il faut égaler la course d'avant... 6-9, 3-5-7, la course d'avant, 6-9-5-4, ça fait quoi ça? On a la course d'avant, on a le 9, le 6, on a le 5, on a le 3, attends, on a le 7, 6-9-5-4, on a le 7, on a le 6, on a le 9, on a le 5, le 3, comment on se le fait? 6-9-5-4, c'est pas mal. 6-9-5-4, c'est pas mal. Peut-être le 9, l'intimidant. Grand départ, l'intimidant, le 9. Attention. Peut-être un trio, là. 6-9-5-4-As. 6-9-5-13-As. 6-9-5-4-As. As-5-4-13-6. As-5-4-13-9. Enfin, tu vois l'idée, quoi. Il est bon le super 4 de la course d'avant, c'est agréable. Bah, je suis confiant de mon dernier, la 6-9-5-4, j'aime bien. Le 13, il a un nom bizarre, je vois pas les chroniqueurs à la télé dire le 13, le nom du 13. Je sais pas, j'aime bien le 13 et le 10, j'aime bien, mais je préfère appeler pour le 5. Faut prendre deux numéros d'hier. Bah ouais. Mais hier, on avait 9, 12, 7, As, 11. On reprend deux numéros d'hier. 9, As. 9, As. Le 7, on peut se faire en... Ou alors celui-là, on se termine
un gros numéro, genre le 15 et le 16. On fait 16 partants, on fait 16, on fait A6, A6, 16, c'est l'autre possibilité, A6, 16, 4, A6, 16, A6, 16, 10, A6, 16, 10, A6, 16, 10, 13, A6, 16, 10, 13, A6, 16, 10, 5, c'est possible aussi, A6, 16, 10, 16, je vais vous le mettre, cette formule avec A6, 16, je vais vous le mettre, R1C1. Après, là, son favori, on se trompe peut-être tous. Hein. Peut-être plus dans le printemps, parce que c'est un cheval qui a plus été exploité en steep qu'en Roy. Et en Roy, il a montré de quoi il était capable. Il y a plusieurs formules possibles. En plus, là, c'est compliqué, là. Il y a 6 kilos d'écart, il a été pénalisé. Mais après, ça a été un peu mieux placé vis-à-vis de galopin de balle aujourd'hui. Il ne faut peut-être pas l'oublier. Le petit coup de molle, moins de référence. C'est peut-être ce qui, oui. Jacques, a eu la moins d'expérience. Après, c'est sûr, on peut être aujourd'hui, on peut approcher. Donc, pareil, en phase ascendante. Ça va permettre de juger un peu plus aujourd'hui. Allez jouer, allez à 9 contre 1. Il y a plusieurs formules possibles, même moi je m'y perds, alors t'imagines ? Effectivement, à 10 et 8 contre 1. Départ imminent. C'est pas possible. Oui, tout à fait. Il y a encore une minute, hein, Gianni. Mais je vois. Kamel, le 4, Beautiful Mode, va gagner. Il faut prendre deux numéros d'hier, ouais. Ah ouais, mais bon. On a les formules, mais on en a 50 000. Il a fait un super meeting. Boy Royal le 12, Coréagon Park le 16. Bon, je crois qu'il n'a pas été très vernis dernièrement par une piste rapide et qu'il a pour une ouverture d'hôtel. Ils vont devoir patienter, mais pas trop loin, on l'a compris avec les propos. Boy Royal qui reste sur un échec, mais lors de son avant-dernière sortie dans un quintet, c'était classé 3e. Quintet qui était enlevé par Deo Gracias. Il est boulé par les parieurs aujourd'hui, mais je pense vraiment que le contexte lui n'était pas favorable à Pau dernièrement. Et la dernière fois à Pau, il était favori ou quasiment favori de ce matin. Question, il était à 4 contre 1. Oui, c'était très rapide. Ouais, et puis à Pau, il a raté son départ. Ça s'est mal passé dès le départ. Et, voilà. Non, il faut le reprendre. Ouais. Et la cote d'ailleurs est intéressante à 18 contre 1. L'entraînement d'Alain Poitier pour le numéro 2, c'est pas le problème. Et les voilà qui s'élancent, c'est le lancement officiel de la saison 2022 sur l'hippodrome d'Auteuil et cela démarre par le quintet, le prix Beugnot, 3600 mètres à couvrir sur les 16 concurrents en lice et déjà 5 ou 6 sur la même ligne pour franchir la première, Lyon-Clermont, Selkirk, Ingelvis et Bonaparte Sizing qui ensemble franchissent la première. À l'arrière du peloton pour le moment, il y a le numéro 2, Montissaga ou encore le 7, Coquillaya. Avec Lyon-Clermont qui prend les commandes de l'épreuve favorite de ce tiers écarté et quintet plus. Qui est le tenant du titre d'ailleurs, Bonaparte Sizing, et dans son sillage en 2-3e position, puisque galop à son extérieur, Selkirk. Nous avons ensuite la présence du numéro 14, King Elvis, qui est 4e, la 5e place occupée par le numéro 6, Gentilhomme, qui chemine côté corde, le numéro 16, Coragon Park, venant un peu plus loin, Cusay Valis, un cheval en vue dans ce quintet, est également côté corde, dans le sillage des animateurs. Nous avons Montissaga pour le moment à l'arrière-garde, avec également la présence de Boy Royal. La haie qui sera dans un tour, la dernière, Lyon-Clermont qui a l'avantage, Selkirk est 2e et Bonaparte Sizing le numéro 1, 3e à la corde. Pour retrouver en 4e position tout près de King Elvis, ça sera en intérieur Gentilhomme le 6, précédent Okusai Valis et Coréagon Park qui fait fortune, galopin de balle mais Beautiful Mode. Les deux chevaux de François Nicole qui progressent à la même hauteur, juste devant Helsinki No Limit qui en rose progresse en dehors des autres parce que finalement il n'y a pas tant de rythme que ça, imprimé en tête par Lyon-Clermont. À l'arrière il y a les représentants de balle avec Éclair du Matré et Grand Départ, Montissaga, Boy Royal sont également parmi les derniers. Il se dirige vers la haie du pavillon et c'est toujours le numéro 5, Lyon-Clermont, qui a l'avantage. Le favori de ce quintet, Bonaparte Sizing, qui est en bon rang, côté corde en 2e position avec Selkirk qui est tout près. Gentilhomme venant ensuite côté corde, précédent le numéro 14, King Elvis. Coragon Park venant un peu plus loin, galopin de balle est au milieu du peloton, flanqué à son extérieur du numéro 4, Beautiful Mad, avec la présence un peu plus loin du numéro 7, Coquillayon, qui patiente à l'arrière-garde du peloton avec le 8 et le 9, Éclair du Mafrais et Grand Départ qui sont également à l'arrière-garde, tout comme Boy Royal. La haie du tournant d'Auteuil avec une légère faute de l'animateur Lyon-Clermont. Mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. Tout le monde est encore en course, même si Boy Royal a du mal à garder le contact ensuite. Début de la ligne opposée, donc Bonaparte Sizing qui va bien appuyer, rester à gauche sur la ligne d'en face, voir Lyon-Clermont à sa hauteur, lui reprendre un léger avantage. Ça va bien pour King Elvis également, qui est tout près, qui a une bonne course. Selkirk est là, devant son compagnon de boxe, Saïval, Coréagon Park, isolé à l'intérieur. Gentilhomme qui lui reste plutôt à l'extérieur dans le ciel du favori. Kilayon s'est rapproché, que le fan de le suit, qui fait fortune est là. Devant le 4, Beautiful Mold, le 9,
grand départ un peu plus loin, ça se complique pour Éclair du Mapré, le 8 ou encore le numéro 12, Boy Royal. Il se dirige vers la deuxième de la ligne d'en face avec toujours les deux mêmes aux commandes. Donc clairement, et le favori, Bonaparte Sizing, qui a bien son intérieur, qui a perdu une longueur là sur l'animateur Lyon Clermont, avec Gentilhomme qui suit librement côté corde, et puis il y a 10 qui est toujours là dans la chasse, en compagnie de Selkior, galopin de Bade, venant un petit peu plus loin, et puis Zaïba Dissidence, c'est légèrement à se rapprocher. Troisième de la ligne d'en face, Lyon Clermont, Bonaparte Sizing qui est parti de loin cette fois-ci, et qui reprend le meilleur, avec en troisième position à l'intérieur Gentilhomme, King Elvis qui voyage en première classe hein, depuis le départ, suit les premiers, Selkior un peu réveillé, Cookie Lion qui vient, qui fait fortune, vient avec un peu de retour sans dedans, devant lui il y a Okusai Balis, galopin de Bade, met au centre. Juste la dernière heure de la ligne d'en face, sans encombre. Les concurrents qui sont à l'orée du tournant final avec Bonaparte Sizing, côté corps qui a l'avantage. Lyon Clermont sont en extérieur. King Elvis qui suit toujours aussi librement, qui vient en troisième position. Le secteur qui s'accroche. Gentilhomme qui aura tout fait côté corps, qui vient ensuite devant Conky Lion. Le Cusac Valis qui tente de revenir maintenant, imité par le galopin de Bade. À l'entrée de la ligne droite bientôt, Lyon Clermont qui mène toujours devant Bonaparte Sizing. King Elvis qui maintenant commence à venir fort attaquer les premiers. Gentilhomme passe côté corps, galopin de Bade, Selkior, Okusai Valis. Bien un peu plus loin, ça se complique pour le favori Bonaparte Sizing qui est happé par le peloton maintenant au franchissement de l'avant-dernière, faute de King Elvis, Lyon Clermont qui en profite pour repartir à son extérieur avec ensuite celle qui repousse Saïd Valis. Ça va nous baiser, il y a le favori qui s'est pris une tôle. On est baisé dans nos paris. Lyon Clermont à sa hauteur n'a pas dit encore son dernier mot. Derrière, il y a galopin de Bade ou encore celle qui aurait sur le cas désormais. King Elvis, le numéro 14, qui a l'avantage sur Lyon Clermont le 5 en deuxième position. Devant celle qui Correa Gold Park qui revient comme grand départ au Okusai Valis et Monti Saga en dehors. Mais pas de course pour le vainqueur. King Elvis, le 14, qui va s'imposer nettement. La deuxième place, peut-être pour le numéro 5, Lyon Clermont, au dépend du même grand départ. Photographie pour la cinquième place entre le 16, Correa Gold Park et le 10, Okusai Valis. Et la victoire pour le numéro 14, King Elvis, dans ce tiercé quarté quinté plus, le premier de l'année, sur l'hippodrome d'Auteuil. Il est allé librement pendant toute la course. Il a fait sûrement la différence. Le numéro 5, Lyon Clermont, qui a animé les débats. 9-5 en 2 sur 4, 9-5, 6-9-5, 4 as. C'est pas le 4 as, c'est le 14, putain. C'est quoi le 16 derrière? Tu fais chier, hein? Ça fait chier, hein? Fais chier ce 14 de merde là. C'est joué à peu de choses hein, sur l'avant-dernière, cela dit. Je donne 50 000 pronos là. As 3, 5, 6, 9 en 2 sur 4. Je t'ai joué de 2 sur 4. T'as eu une 2 sur 4, tu devrais être bon. As 3, 5, 6, 9. As 5, 6, 4, 3. Ça vient pas. 6, 9, 5, 4 as. Ouais, bon. Hein. As 6, 16, 10, 5. Fais chier celui-là aussi. Hein. Fais chier ce 14 de merde. On l'a personne là. Personne n'a joué le 14. Il a été happé, pour reprendre votre expression, Charlie, par le peloton après le saut de l'avant-dernière haie. 5, 9, 10, 16 en 2 sur 4, ça aurait été bon. Pourquoi j'ai mis le 13 à 5, 16, 10, j'aurais dû mettre plus un, moins un quelque part. À 5, 16, 19, à 5, 16, 10, 4. Ah bah, As 4, peut-être 14, peut-être As 4, 10, 14. Fais chier, putain de merde. 2 sur 4 en haut, As 3, 5, 6, 9, il est sympa celui-là. Merde, merde. Un trio 6, 9, 5, 4, As, ça vient pas, putain de merde. Vous avez voyagé en première classe, facile tout du long. Personne donne le 14. Mon pote se quintait, j'avais 5, 9, 10. Nini, 5, 9, 10, t'avais? Ah ouais, c'était pas mal, 5, 9, 10. Hein. J'ai même pas regardé ce que proposait PMU comme pronostic. Pierre, bonjour, qui était programmé par son pedigree, ses premières performances pour courir des courses de groupe. Finalement, avec ses problèmes. Hier, on avait quoi, les gars là? Je t'ai dit de reprendre le 9 d'hier. C'était intéressant, cet enfoiré. Ouais, franchement, j'ai pas vu le 14, merde. Là, c'est le même cheval que j'ai. C'est pas celui que j'avais connu avec 4 ans. Pierre, un mot sur l'état du terrain. Je me cours tout le temps entre le 6-9, là. 4,4, mais ça a l'air assez galopant. Quel est votre ressenti? Je pense que c'est bien smooth. Après, c'est des pistes neuves, donc forcément, c'est un bon passage, mais je pense qu'au fur et à mesure de la journée, ça devrait s'alourdir. Ouais, PMU, ils étaient à côté de la plaque. Premier vainqueur de Quintet sur la victoire.
On fait un super 4 et on fait. Je donne 3. Je donne combien de pronostics là? Combien je donne de pronostics, les gars, pour ce 2 sur 4 là? Putain. Merci Gianni, en tout cas, bravo à ceux qui ont trouvé l'arrivée. Parce c'est beaucoup trop là. J'ai donné beaucoup trop de propositions, les gars. Bien, bravo à vous. On va poursuivre tout de suite avec une nouvelle compétition à Mont-de-Marsan, c'est une course de plat. Fait chier ce 14. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, jouer au super 4. 4 as. Maintenant, que là, si à la fin, là, si c'est vautré, là, à la fin, là, il laisse écarté, là, c'est tranquille. Ça a tout foiré. Dans la course, c'est Steve d'Argent, le numéro 1, je crois, qui est présenté par Philippe Segorbe. Et qui, c'est quatrième lors de sa seule course de l'année. Hein, c'était un peu. Alors, à 6, 16, 10, 5. À 5, 16, 10, 3. 10, 13. À 5, 16, 10, 13. En 5, 10 ou 16, 5, 16, peut-être en 2 sur 4. En revanche, il a promis d'être vraiment fiable. Et de souvent terminer. 5, 10 ou 5, 16 en 2 sur 4. Ouais, 2 sur 4, il devrait aller. Le dernier prono. Qui va monter, donc le cheval qui défend. Les couleurs de Guy Pariant et qui va donc essayer de. On s'est laissé chailler. Bah ouais, chailler, on l'a laissé de côté. Ouais. Qui va vous permettre de revoir en fait chier ça. La 13 de Trébol qui est en bas du tableau, alors qu'une pouliche n'a jamais réussi à gagner jusqu'à présent. Mais qui je donne un prono là, enfin je donne deux pronos là. Sur ces images, dans une course je t'ai dit, il fallait pas jouer ce prono là, ce truc là. En 2 sur 4, fallait jouer. 5 numéros en 2 sur 4. C'est pas jouable. Les gens, ils viennent recevoir la paye. Ils vont jouer, mais c'est pas des courses à jouer, ça. As 3, 5, 6, 9. Plus haut, As 3, 5, 6, 9. En 2 sur 4. Celui-là, il est bon. 6, 9, 5, 4 As en trio, ça vient pas. As 5, 6, 4, 3, ça vient pas. Et l'autre en dessous, ouais, je donne beaucoup trop de propositions. À 6, 16, 10, 5. Fait chier. À 6, 16, 10, 5, 9, 4, 3. Ça faisait beaucoup de propositions. C'est un beau quintet pourtant. On va en savoir plus sur Jackie, le numéro 8, qui fait partie de ces chevaux Renault qui font de grandes rentrées aujourd'hui. C'est un beau quintet, hein. Je crois que ça fait depuis fin octobre qu'on ne l'a pas vu courir. En plus, bon, c'est la première fois qu'on courait sous l'entraînement de Christophe Ferland, qui est présent. Hein. Bon, donc, c'est un test aujourd'hui, on ne va pas se tromper. On rallonge grandement la distance. Le 6-9, on les voit partout, toujours à Bellecote. Le 6-9, on les voit partout, toujours à Bellecote. Toujours les invités à Bellecote, les intervenants. Ils ne sont pas partout, mais ils sont quand même assez présents. 14-15, la suite, 14-15-16, la suite, à Auteuil, fait chier ce 14. Je pense assez avancé, mais maintenant... À 2 sur 4, il devrait être sympa ce 2 sur 4 quand même, non? Il est mieux que tout à l'heure, non? Tout à l'heure, on a 3 cotes à 50 euros, le 2 sur 4 à 34 balles, c'est tout, putain. Alors on a le quintet 14, 5, 9, 16, 10. Ça fait 309 jours d'attente pour ce concurrent, mais un concurrent qui, si on se fie aux valeurs, paraît 14, 5, 9, 16, 10. On a ici 1,8 du favori. L'heure de quintet, c'était 13h50 l'heure du quintet. On a le 5. On a le 13, comment se le fait? Là, c'est le 3, comment se le fait? 4-1 égale 3. Et là, comment se le fait? Là, comment se le fait? 13h50, 4-1 égale 3, plus le 10, ça fait 13. 13h50 avec le 5. 14, 5, 10, 13h50. Là, on a 14h07 de départ. Ah, pour faire comme ça, les gars, il faut quand même connaître les chevaux, tout ça. La groupe
Quand tu arrives à faire des mathématiques comme ça pour les pronostics, il faut connaître un peu les chevaux quand même. Un petit peu quand même ce qui tombe à la période du mois, tout ça. 1,9 du favori. Là. La course d'avant, on a 14, 5, 9, 16, 10. On a 14, 11, 7 à faire. Il y a combien? Il y a 9 partants. 2450 mètres. Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, c'est une piste en herbe. C'est une longue distance. Hein. 2450 mètres, c'est une longue distance. On va regarder entre la 7, 4 et 8, 3, 5, ce qui est pas mal. À 7, 4 et 8, 3, 5, on va regarder ce que c'est. Un style d'argent, l'as. Le 4, c'est goodbye. Rends la monnaie, le 5, il est marrant. Tu joues sur les chevaux marrants comme rends la monnaie ou comme au quintet, là, le 9. C'était quoi? Grand départ, et là, c'est R3-C5, c'est rends la monnaie, le 5. C'est marrant, là. C'est marrant, ça, de jouer sur les chevaux qui ont des noms bizarres comme ça. J'aime bien, c'est bizarre. Par contre, là, c'est du plat, c'est 2450 mètres. Pour vous, si on comprend vraiment vos propos, pour les places, c'est jouable. Après, pour la victoire, c'est compliqué avec du argent dans cette position. C'est ça ? Oui, merci. Tout à l'heure, ouais. As 3, 5, 4, 2, 8, c'est quoi ça? Trait de trévol, le 9. Ouais. 9 partants. Mont-de-Marsan, 9 partants. 9 et 1, 10. 18. La suite, c'est quoi la suite? C'est 8, 9, As 2? 8, 9, As 2, la suite? 8, 9, As 2, 5. 8, 9, As 5. 8, 9, As 2. As 2, 5. As 2, 5, 8. As 2, 5, 9. On a quoi la course d'avant? 5, 9, on a la course d'avant? 7, 90. Ça tombe un petit peu en ce qui concerne le numéro 3. 9 et 5, 14. On a, avec 9, 5, on a le 9, 5 de la course d'avant. On a le 14. 9, 5, 14. Ah, attends. 9 et 8, 17, moins 1, 16 aussi. Sinon, on part avec le 16. Je le répète, on a donc... Jackie, le 8. Trait de trévoil, le 9. Vu la distance que c'est combien, là? Mont-de-Marsan, c'est du plat. Prix Bellabre. Mont-de-Marsan, prix Bellabre, plat, 2450 mètres. C'est une longue distance, hein, pour du plat. Il a réussi à bien faire lors de rentrée. Il avait gagné à Toulouse en mars 2021 alors qu'il faisait une rentrée. Et là, l'absence est quand même assez longue. 10 mois d'absence pour lui. Roland Monet vient d'être placé dans sa stalle. On a les couches qui montent pour Christophe Potier. Là, vous voyez Wiplo. Deux courses, deux échecs. Un outsider assez logique, hein, parce qu'elle fait l'opposition, 45 contre 1. Tourne maintenant de Tango. Alors, si on se fie aux valeurs, Tango, on voit une chance très secondaire. Hein. 23, c'est valeur handicap. En théorie, il y a bien mieux. Après, la pique-nique royale, en forme. Confirmé ici à Mont-de-Marsan, Maurizio Guarnieri nous a dit du bien en micro-drénol, on l'a senti confiant pour voir son cheval terminer parmi les trois premiers. Il y a un concurrent qui s'énerve dans sa stalle. Ah, je sais pas celui-là. 14h07 à faire. Présenté par Christophe Fernand, qui était entraîné auparavant par Fabrice Chappé. On fait As-4, As-4-7, on fait As-4 ou As-7, As-4 ou As-7. 8 et 7, 15, moins 1, 8, 7, As, 8, 7, As. 13 de trébol, maintenant le numéro 9. 8, 7, As, R3, C5. 8, 7, As, 3. 8, 7, As, 8, 7, As. 9, 8, 7, As.
Départ est imminent. 9-8-7-As. Dans les stalles. Bah, je peux même pas le poster celui-là. J'ai 9-8-7-As. R3-C5, 9-8-7-As. Je peux pas le poster, les gars. Pour le favori, style d'argent, qui est lancé à l'extérieur. Pour départ, en revanche, à l'intérieur de Whiplo, numéro 6, qui se retrouve aux avant-postes. Pour départ également de Picnic Royal, qui est un cheval incliné. Je suis connecté partout et j'arrive pas à prendre le temps. On se retrouve tout de suite aux avant-postes, mais il va être relayé. Relayé par un concurrent qui est le Say Goodbye, qui est vraiment l'X de la course. Say Goodbye est un. Le 2 sur 4 du quintet est payé ou pas? 5-9. 3ème place donc pour le numéro 8, Picnic Royal. 4ème place ensuite pour le favori ici de l'argent, qui a une position assez idéale. 276€ le 2 sur 4 du quintet, les gars. 276€. Fallait pas jouer tous mes pronos, mais. Il y avait 5-16, sinon 2 sur 4 de payer 5-16. Où il y avait 5-9. C'est dommage, j'ai pas mis 5-9-16. 5-9-16-10, 5-9-16-10. Fait chier l'As, là, As-4-3, là. On était payé 3 fois 276€, 5-9-16-10. Putain, c'est dommage. Le top, les gars, le top. Couplet 5-9, qu'est-ce que ça vaut? Couplet 5-9, couplet placé. 106€. Ah vache, j'étais bloqué sur le 6 au départ. Je t'avais dit 10-5-13 à prendre. Il y avait 9 qui m'intéressait, le 6 ou le 9, le 16 ou l'As. Le 14, As-4-3, il vient souvent le 14 ou le 13. Je regardais plus le 13, hein, je ne vais pas vous cacher. J'ai, à part le 16 et le 15, j'ai pas regardé le 14, hein, salopard. Hein. Il est sympa, putain, le quintet, celui-là qu'a ça, mon petit gars. Oh la vache, 256 850€ le quintet, la vache. Dans le désordre, 4787. Dans le désordre, le quartier, 12 000. La vache. Ah, je l'ai pas celui-là. Oui, la victoire pour le numéro 1 favori de cette épreuve, c'était Style d'Argent sur l'entraînement de 7-8-9, j'avais quoi 8-9 As, je ne sais plus combien. C'est vrai pour cette deuxième place, mais c'est le numéro 3 quand même qui la prendra devant le 4. Ensuite, on aura le 9 et le 8, je répète, arrivé As 3, 4, 9 et 8. C'est bien ça, Style d'Argent s'impose, associé donc à Alejandro Gutiérrez-Val. La casaque de Guy Parion, l'entraînement de Philippe Fogor, le choix avait été. On n'a pas celui-là. À 2,70€ pour finir. Il signe la 5ème victoire de sa carrière après avoir collectionné les accessibles ces derniers mois. Il signe cette fois à s'imposer. Bien dominé, Paper Trophy. C'est bien saisi. Hein, tout à la fin. Oh, j'en fais une ou deux, les gars, puis j'arrête. Hein. Numéro 4, c'est Goodbye. Légèrement prévu pour finir. Lui qui faisait une rentrée qui a été montée de façon offensive comme une rentrée assez intéressante de sa part. Et puis 13 de Trébol hein, qui restait sur une deuxième place très encourageante. Bien confirme en se classant 4ème dans ce lot qui était. Supérieur. As 3, 4, 9 et 8, c'est l'arrivée de la 5ème à Mont-de-Marsan. Merci Vincent, à tout à l'heure. En effet, Style d'Argent qui se distingue, c'est la casaque pariante et les vaches pariantes qui brillent dans cette course. On va tout de suite faire une petite pause rapide et on revient dans quelques instants pour un simple chaise à hauteur. Avec Le Parisien et Aujourd'hui en France, suivez toute l'actualité hippique au quotidien. Coulisses des courses, portraits inédits, interviews et résultats. Retrouvez les pronostics exclusifs de nos experts sur le quintet et toutes les autres courses de la journée. Suivez en direct l'intégralité de l'actualité hippique sur notre fil Twitter. Chaque jour...
ceux qui ont trouvé la combinaison dans l'ordre, bravo. Et le multi en 4, il fait 17 000, le quartier était 26 000, le tiers était quasiment 3 000 euros dans l'ordre. Voilà, de très très beaux rapports pour ceux qui ont trouvé l'arrivée, mais c'était pas simple. Loïc, avec vous, on aborde la deuxième course d'Auteuil, c'est un steeple chase. Oui, avec des chevaux de pièces au départ, Laurent, j'ai choisi comme ticket prudent un couplet gagnant et placé avec en base le numéro 2 Polirico. C'est un petit peu le cheval de classe de cette épreuve s'il venait à répéter, réaliser ses meilleures performances. Bien que le cheval ici réalise son retour à la compétition, ce serait quand même décevant de le voir sortir des deux premiers. J'ai essayé de le marier pour le couplet gagnant placé avec Becca Rainbow qui revient ici dans la spécialité du steeplechase en espérant le voir obtenir un meilleur classement que lors de sa dernière sortie. Et allez, je fais la dernière les gars, après j'arrête. En deux courses depuis le début de l'année et derrière, puis 1h40 de live. Personne n'est là. En tête, en espérant que ça puisse le faire à 1 plus 3 pour le super 4 à 6 euros. Très bien, on notera que numéro 8. Vous avez déserté, les gars, vous désertez. Donc on a 7 candidatures et 3 Nicole dans l'épreuve. Hein. Donc attention, François Nicole. On est laissé chailler, chailler. On va continuer d'en parler avec notre équipe. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Timizar, à Auteuil? Le 14, King Delvis, putain de salopin. On va faire Auteuil, il y a du steep, là, 3700 mètres, ça va être au sport. Je sais pas si j'ai le temps de poster. 14h25 à faire. La course d'avant, on avait quelle heure à faire? 14h07 à faire la course d'avant. As 3-4, 14h07. Là, on a 14h25 à faire. Et un C2. La course d'avant, on a quoi? As 3-4, 9-8. Il y a 8 partants, le 8 est non partant. Là, c'est une course difficile. C'est du steeple, 3700 mètres. As 3, 4, 9, 8. On va regarder entre le 5 et le 3 ou le 6, 5, 3. On va regarder. Gondor de Kersel, le 6. Je suis pas sûr qu'ils vont tous arriver là. Ça va être un peu la merde à l'arrivée là. Il y a 2,3 la cote du favori. Il y a 14h25 à faire. De mieux évaluer voilà, le niveau de juillet face à une telle opposition, face à Polirico, c'est un cheval de groupe, face à Becca Rainbow, on ne peut encore parler qualitatif. Oui, tout à fait, on va voir jouer aujourd'hui et surtout voir évoluer sur le style de taille. Monsieur Jean-Claude Evin, Elisabeth Paco a un partant, une partante, elle est avec vous, alors également Cariacou dans la course, on a un 2, je n'oublie pas de Cormier. François, Isabelle, pas toi, vous. Exactement. J'ai été étonné de lire dans le pariteur que c'était votre premier partant dans cette course qui rend hommage à votre papa. Oui, ça me fait un peu la pression. Mais peut-être que je suis en train de devenir grande et que je vais arriver à la gérer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire paraître. Voilà, c'est exactement ça. Je pense que j'ai un cheval que j'aime bien, Fight for Me. Il faut que je passe les marques à Auteuil. Et j'y. Elle a l'air d'être dans une forme ascendante, donc on continue sur la lancée. La forme d'IG est sûre ou vous pensez qu'elle peut être un petit peu défraîchie par son meeting? Elle ne paraît pas du tout défraîchie le matin. L'autre est en façonnage encore. Exactement. Oui.
Maxime va reprendre ses marques ici. C'est un bon cheval, hein. C'est un bon cheval, mais il faut... Il y a toujours du boulot avec les chevaux, c'est ça qui est bien. Comment se porte Kariakou? Est-ce que le turfiste doit s'inquiéter? Il n'a pas fini le tour avec son jockey l'autre jour, alors est-ce qu'il peut être à court de compétition? Parce que lorsqu'il est quatrième de cette course l'année dernière, il avait gagné à court la fois d'avant. Oui, mais là, il y a eu un accident, l'affaire est close, il a sauté avec Jim, tout va bien. Est-ce que vous le sentez dans un bel état de forme? Oui, mais Kariakou, il fait absolument ce qu'il veut quand il veut. Donc, si 4004 son intérieur, c'est pas un type à faire. Maintenant, il va se débrouiller pour avoir envie. Quatrième de Feu Follet, Galéo Conti, Poly Grand Champ, qui sont des chevaux meilleurs que nous toujours, à mon avis. Est-ce que vous espérez gagner aujourd'hui? Oui, j'espère gagner. Est-ce que c'est possible? Oui. Ok, ça roule. Merci. Kariakou, il faut patienter encore un petit peu. Favori du prix Robert de Clermont-Tonnerre, ce sera la sixième à 16h45 pour le coup d'envoi des grands cyclochefs de Paris. Master 5. Maintenant au grand cycle, on revient au prix Jean-Claude Bézin. 5 classes, le 5 classe, le 2 5 as, on va faire le 3 et le 6. On a 6. On a 3. 2-7-4-5. 2-7-4-5. Prix Derby des Soldes R4-C2. Ouais, je suis R1-C2 à Auteuil. Après, j'arrête. On a la course à 14h25. Comment on va faire As-4 et 2-5? On fait As-4 et 2-5 en 2-7-4-5. 2 fois 7, 14. 14h, on a 2-5 derrière. Un trio. C'est pas si facile, hein. Faut vérifier quand même. Faut vérifier ce que vous mettez quand même. Mais ça peut aider, quoi. L'an passé, dans le coup de Besançon, qui est la préparatoire, des courses qui se disputent sur les points de Compiègne. Vous y croyez, Charlie? Après, c'est une course compliquée. Hein. Moi, je sais pas faire des suites à des courses compliquées comme ça, mais bon. C'est A7-4-5 ou 2-7-4-5 As, mais 2-7-4-5 As, mais je sais pas lequel enlever. Sinon, ça ferait quoi? Ça ferait 4-5-As-2, c'est possible ça aussi, 4-5-As-2? 2 fois 5, 10, moins 1, 9, 2 fois 4, 8, le 4, le 3, ou l'As. 4-5-As-2 ou 2-7-4-5? 4-5-As-2 ou 2-7-4-5? On est 14h25. 14h25, on met As-4-2-5. Mais ça paraît bizarre. Ça paraît facile, mais... Est-ce qu'on fait confiance ou pas? Il y a Bacarembo, Polirico, Ange de Juillet, le 3, Bernardo Bellotto, Iji, Gondor de Kersel, Fight for me, le 7, Gondor de Kersel, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, mais enlever lequel, je sais pas. On va revenir sur la performance, ou plutôt la contre-performance de Bonaparte. 4, 5, 4, 2. Vous avez pu retirer quelques infos à chaud, que se dit-il dans l'entourage du cheval, François? Ben Jean-Bertrand Balanda me disait, j'espère... 4, 5... Les courses compliquées comme ça, on va prendre A6-2-4, on fait un trio A6-2-4. On prie pour un super 4, mais on fait A6-2-4 un trio. C'est la conformité de cette course. C'est un petit peu le... Pour cette course, ça serait bien adapté, ça, comme arrivé. A6-2-4. R1-C2. Le 14 nous a foutu. Bah ouais, passé, il nous a foutu. T'as vu le 2-4 qui est sympa, quand même. 2-4, il est sympa. R4-C2, j'aimerais l'arriver avant, j'aimerais plein d'infos avant quand même pour faire la croisée la roche, là, prix de sol. J'aimerais le...
J'aimerais l'arrivée de la course d'avant pour voir, pour faire mes calculs. R1 C6. Là, je peux pas savoir. R4 C2, ça part à 17h02. Comment tu fais l'As, le 7, le 0, le 2? Comment tu fais? Je vais essayer de te poser R4 C2 si je peux. Je vais essayer de regarder quand même. Mais bon. À 17h02 le départ. R4 C2. On a le favori. R4 C2, on a le favori. 2700 mètres. C'est de la télé 2700 mètres. C'est de l'autostart. Ok. R4 C2 de l'autostart. Ouais. Croisé la roche, prix des sols, 2700 mètres, 15 partants. Salut Ray, salut Ray. A plus Ray. A plus Ray, Timizar, salut. Alors, c'est quoi, c'est des 6 ans? Des 6 ans en réunion 4, à la croisée de la roche, réunion 4, course 2, c'est des 6 ans. La cote du favori du 8, c'est le favori chez moi, là, Gardon. Les anciennes places du favori, c'est As 2, 4, 6, 7, 2, 5. 7, 2, 5. C'est 2700 mètres. La charrette, hein, c'est de la charrette à croiser la roche. Il faut faire 17h02. On a les anciennes places du favori, c'est As 2, 4, 6, 7, 2, 5. Il faut faire 17h02. On va regarder 2, 5, 16, As, ce que c'est. Gilgamesh de Babel. Entre le 13 et le 14, c'est peut-être la note, le 13 et le 14. C'est quoi celui-là, là? R4 C2. Là. En plus, vers cette heure-là, 17h02, R1 C6, R4 C2 et R1 C7, R4 C3, c'est des courses compliquées. R4 C2, 2700 mètres, 15 partants. Qu'est-ce qui fait 15? 8 et 7, 15? On a le 8 en favori. 8 et 7 ou 7 et As? Le 7 est cher, hein? Comment on fait 7 sinon? Il y a des codes comme ça? Je sais pas. Avec le pendant de Kerser qui se vrille, qui vient à son extérieur en deuxième position, avec Karen Bourges de Juillet, qui sont respectivement le troisième et quatrième, avec Bernardo Bellotto, qui galope à l'arrière-garde en compagnie du 5 IJ, du 7 Trackform. Tout le monde trouve sa place désormais, l'allure se réduit un petit peu, ce qui fait parfois les affaires du 15 à 8, 15 à 8, 15 à 8, quoi? 15 à 8. C'est quoi celui-là? 15 à 8. Attends, je regarde. 15 à 8, 4. 15 à 8, 4, 3. 4, 3. Voilà, 15 à 8. 15 à 8, 3. On a 7, 4 ou 8, 3, 5 là. Gamin Mazza, le 7. 8 et 7, 15. Hein. 15 partant, 8 et 7, 15. 8, 7, 8, 7, As. 8, 7, As. 8, 7, As. 8, 7, As, 9. 8, 7, 8, 7, 8, 7, 9. 8, 7, 8, 7, As. 8, 7, 9.
8-7-9. 8-7-9-3-12. 8-7-9-12. 8-7-9. 8-7-9. C'est décisant. Il y a une longue distance, 2700 mètres, 15 partants, 17h02. 8 et 9, 17 avec le 2 derrière. Comment on ferait le 2 derrière? 8 et 9, 17 avec le 2. 9.7 égale 2. Tu vois comment on fait le 2 sinon? 3 et As. 8, 7, 8, 7, 9, 3 As. 8, 7, 9, 3 As. Je crois qu'il y a un 2 sur 4, 8, 7, 9, 3, R4, C2, mais... J'aimerais attendre l'arrivée quand même avant. On aurait quoi là? On est cote favori du 3. Si on prend le 9 en Jingo Grange comme favori. Jingo Grange en favori ou gardons le 8? Je sais pas. Pour la course, ou l'As, Gilgamesh des Babel, je sais pas. 8. Ça ferait quoi ça, 8, 9, 4? On a le 5. On a le 8. De 3 à 4. Ah merde, c'est quoi que j'ai mis moi? Merde. Fait chier 6, il fait chier 6. Le 8 en favori. Fait 18, 19 et 17. À 4 c'est 2. 8 et 9, 17. 18, ça fait 8, 9, As. 19, 8, 9, As. 8, 9, As quoi? 8, 9, As quoi? R4, C2. 8, 9, As quoi? On a le 6, on a l'As, on a le 2. 6, As, 2, il faudrait un 4. Il faudra un 4 ou un 5. Un 5. Jinko des Vallées, le 5. À 15 partants, le 5. 8, 9, A, 5. 5 et 1, 6 et 9, 15. Il y a 15 partants. 8 et 9, 17, 7 et 1, 8. 9.8 égale 1 avec le 5. 8, 9, A, 5. 8, 9, A, 5 quoi? 8, 9, A, 5, 4. 8, 9, A, 5, 4. 8, 9, A, 5, 8, 9, A, 5, 3. 8, 9, A, 5, 4. 8, 9, A, 5, 8, 9, A, 5, 13. J'étais content que Clément vienne avec devant, parce que le mien, il était vraiment le bon but, devant. Et pas très attentif. 3 et 1, 4 et 1, 5. 5 et 5, 10. 8 et 9, 17. 7 moins 1, 6. 3 fois 5, 15. 3 fois 5, 15. As 5, 15. As 5, 15.
8-9 As-3, R4-C2, R4-C2, 8-9 As-3. Je viens de revivre couplet As-2, passe dernière remise. Ah, ça fait chier. 1, 2, 3, 4, c'était celui-là, c'était plus confortable. Bon, 1, 6, 2, 4. Bon, là, on fait deux courses, on n'a rien du tout. C'est compliqué après une grosse perf, hein. On fait plus rien. On est préférable pour des suites aujourd'hui, hein. Vu l'autostart ou la piste en herbe, on est préférable à des suites. Regardez l'heure de départ, 14h25, on a l'As 4 et le 2, 14h07, on a As 4, 14h, 4 et 3, 7. Le quintet, on avait 13h50. Moi, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein. 4 moins 1, 3, plus 10, ça fait 13. 13h50, on a le 5, on a le 13. Enfin, c'est des calculs, mais bon, j'aime bien. Christelle Courtade au micro de Renault. Ouais, Christelle, je voudrais qu'on évoque vos deux candidatures. Je te mets le R4-C2. R4-C2, c'est Réunion 4, course 2, c'est à la croisée La Roche. Hein. Je te mets mon prono. Il a très très bien hiverné. Là, j'ai le cheval qui est vraiment très bien. Donc, j'espère qu'il va bien courir. Joue en 2 sur 4, mon ami. Hein. Joue en 2 sur 4. Hein. Même 5 numéros, ça vaut un peu cher, mais bon. C'est pas la journée préférable pour jouer. Si t'as envie de jouer, joue en 2 sur 4. Sinon, c'est pas les courses à jouer, ça. Les quintets, c'est pas les courses à jouer aujourd'hui. C'est des suites aujourd'hui à retrouver, mais faut savoir les placer. Puis des fois, ça joue un peu de choses. T'as pas que des gros gains comme ça à chaque fois. Ah, je te mets celui-là, puis j'arrête. J'avais 1, 2, 3, 4, 5 la course d'avant, mais je savais pas lequel enlever. Après, j'avais un 6, 2, 4, un flash, un 6, 2, 4. Regarde la photo entre le 6 et le 4 à la fin. Ils doivent se suivre, mais on passe pas. Le 3 est deuxième. Alors à chaque fois, on est emmerdé. Hein. On est toujours emmerdé par les mêmes numéros, mon petit gars. Moi, je suis toujours emmerdé par le 8 ou le 3. Toujours les emmerdants, ça. T'as des numéros qui viennent payer dans les arrivées assez cher. Le 6 et le 9 viennent à belle cote, souvent payés en simple placé. Et moi, les emmerdants, c'est pour donner mes formules, c'est le 3 ou le 8. Salut Stéphanie. Le 3 ou le 8, c'est mes emmerdants. Moi, ouais, j'arrête, hein, je vais arrêter. On va faire celle-là pour rigoler, non? C'est pas la journée préférable à jouer. Hein. Il n'y a aucune journée préférable à jouer. Il y a des courses qu'on sent mieux que d'autres, donc c'est celle-là qu'il faut jouer. C'est pas forcément au début du mois. Il y a des courses préférées. Moi, je joue tout parce que j'aime bien, c'est une passion. J'essaie de déchiffrer, mais en plus, je regarde qui est-ce qui part, tout ça, mais voilà. Il y a Nini avec le 2-8. Nini. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a 6 en favori. La course d'avant, on a quoi? 2, 3, As, 4, 6. On a 6 en favori, donc on fait 16, on fait 17, on fait 15. Il faut retrouver par des calculs avec le favori, le 6, il faut retrouver 15, 17 et 16. Il faut retrouver la course d'avant, 2, 3, As, 4, 6. On a une cote à 4,6 du favori. Il faut retrouver aussi le 4 et le 6. Alors c'est par des calculs. Hein. Là on a... C'est pas... De rien, passer de rien, Blaise. On va regarder R3-C6 à Mont-de-Marsan. C'est 2450 mètres, c'est une longue distance. Hein. C'est une piste en herbe, ok. Terrain très souple. Terrain très souple, attention, attention au 6 ou au 9. Hein. Le 9, il est un peu cher, mais bon.
idée noire. C'est, vrai, c'est marrant, ça. Alors, sachez que lorsque... Black Magic, je cherche un nom bizarre. I'm so fan, le 10, I'm so fan. C'est quelque chose, le 10 comme cheval. Idée noire, le 8, non, le 9. C'est quoi celui-là? Alors, parmi les concurrents à suivre, il y a le numéro 8, Overland. Là encore, on parle d'un inédit, mais on parle aussi d'une autre écurie qui est redoutable, c'est de Thomas Forcy. Overland, qui est un de jeu Saint-Éloi, Kingland, Casal de Patrick Saint-Martin. Vous voyez ici, c'est très ma note intéressante, ça serait mettre le 10. Il est à 13 euros, c'est toujours. Ah, il est à 12 euros, là, 12-13 euros. Il y a 15 par temps. On a 10 et 5, ça fait 15. 15 par temps. J'ai parlé des deux qui étaient très joués. 10-5, on fait 10-5 quoi. Les numéros 12, 13 et 14 débutent également, mais là en revanche on a. On fait 10, 11, As 2, 5, 6, mais on enlève quoi? Ou 5, 6, 8, As 2. 5, 6, 8, 2, 3, c'est quoi ici? Il faut retrouver avant la course d'avant 2, 3, As, 4, 6. Il faut retrouver 15, 16, 16, 17. Avec le 6 en favori. On va faire 10, 5, ça fait 15. 10, 5, ça fait 15. 5 et 1, 6. Plus l'As, ça fait 16. On a le 15 et le 16. Il faut retrouver 17. On fait le 6. 10, 5, 6, As. On a le 6, on a l'As. On a 5 moins 1, ça fait 4. On a 6, on a l'As, on a le 4 de la course d'avant. 6 et 5, 11, 1 et 1, 2, on a 2. 6 et 5, 11, 1 et 1, 2, 3. 10, 5, à 6, on aurait la course d'avant. On aurait ici, c'est vraiment sympa. On va regarder qui c'est quand même. I'm so fan, le 10. Ils appendent des langardes, le 5. Malek, le 6. Varvangian, l'As. Varvangian, l'As. Ça fait chier. Je te parlais de mettre des suites ce matin. On peut faire la suite 5, 6, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 5, 6, 8, 10. 5, 6, 8, 10, c'est possible aussi. Overland. Pour mettre un peu de piment avec le 8 ou l'As. 5, 6, 10 avec le 8 ou l'As. Un petit peu en ce qui concerne l'histoire de. On a la cote du favori à 5,2. 5, 5, 6, ça fait 5,1. La cote du favori, on fait 5, 6 ou 5 as, 5, 6 ou 5 as. C'est une longue distance, ok, c'est 2400 mètres. 2450 mètres, Mont-de-Marsan. Comment on fait 14 5, 6. Associé à Michael Forest. 5, 6, 7, 8. Non. Prise également sur le numéro 2, Shekir. Alors Shekir qui revient courir aujourd'hui. 6, 7, 8, 10. Non, c'est quoi ça? C'est une longue distance, c'est pour ça que je viens mettre un peu plus large, mais à chaque fois je me gourre à hauteur pour mettre la suite, mais je ne sais pas la mettre. Une cote du favori du 5 ou de l'As? Ou du 6? Du 5 ou du 6 le favori? Ah, ça va être chiant. R3-C6. R3-C6, 3-6. Ça fait 3-6, ça fait quoi ça? Ah, on va faire comment là? On va faire 3-6. On va faire 3-6. On a la course d'avant, hein. 3-6. 3-6-2, 3-6-5. Ouais, 3-6, on va faire la suite. 3-6, on va la mettre devant. 3-6. Ça me fait chier parce que les noms, je les connais pas trop, mais...
3, 6, 5. Le prix Jacques Xavier de Vatrigan, une course qui s'adresse à des anglo-arabes de 4 et 5 ans, 2450 mètres à parcourir. Bon départ à l'intérieur d'Yves Vergoignan qui se retrouve tout de suite parmi les premiers. On voit également un bon départ de Félicia Dupicos, le numéro 11. Il y a un décalage avec la vidéo là. Et rapproché également du numéro 8 Overland, alors qu'à l'extérieur des chevaux en mouvement, comme Chikir, le numéro 2, comme également le numéro 4 Blackland, qui se montre brillant tout à l'extérieur. Qui vient maintenant prendre l'avantage, on retrouve deux premières places quasiment, hein, les deux chevaux de Christophe. Ah, je ne peux pas répondre à chacun, les gars, sur les messages, hein, je suis désolé. Ensuite vient le numéro 6, Malek, qui est en quatrième position, progressant devant Overland, hein, qui est à l'extérieur de Overland, c'est I'm So Fine, le numéro 10, Annie Peloton, passion de Félicia du Pecos, au côté disparant de Lagarde, qui se retrouve à son extérieur, alors que Yamona de Palmas vient plus loin, avec dans son sillage Indy Laria. Parmi les attentistes, on a également le numéro 9, Idée Noire des Arts, qui se retrouve donc à l'arrière du peloton, avec également le numéro 12, MC du Listos. Le rythme est sélectif, avec un Blackland qui se montre très tendu en tête de l'épreuve et qui, vous le voyez, a pris 5-6 longueurs d'avance sur le peloton. Peloton ramené par Chekir, le 2, à l'extérieur de Chekir, c'est Maelek, le 6, qui vient devant Am Sofal, qui se retrouve en 4e position. Ensuite, on retrouve le numéro 1, Yves Vergoignan, un peu pris de vitesse à cet instant, un peu réveillé d'ailleurs par son jockey, Michael Forest, à l'extérieur d'Yves Vergoignan, le 5, Isparan de Lagarde, plus loin vient Overland, le numéro 8 avec à son extérieur Yamona de Palmas, parmi les apprentis toujours Félicia du Pecos, aux côtés d'Indy Laria, qui se retrouve donc à l'arrière du peloton. Et Edouard Deza attend également parmi les derniers avec Issus Vergoignan, qui se retrouve quasiment en dernière position, avec à ses côtés le 15 Black Magic Woman, à direction le tournant final avec Blackland, qui a toujours l'avantage, toujours 3-4 longueurs d'avance. Sur Malek, le numéro 6, qui vient maintenant en deuxième position. Troisième place ensuite pour Chekir, qui progresse au côté d'Am Sofal, qui vient à son extérieur. Ensuite, on retrouve le numéro 5, Isparan de Lagarde, qui a quelques ressources, et qui a dans son sillage MC du Lissos, le numéro 12, qui s'est un peu rapproché, étant suivi par le numéro 3, Double Pic, direction dans quelques instants l'ultime ligne droite, avec Blackland qui va tenter de repartir. Mais ça va pas être facile, hein, parce que le cheval en a beaucoup fait, mais il va toujours assez benoîtement en tête, en deuxième position, numéro 6, Maelek. Troisième place ensuite, pour le numéro 5, Istan de Lagarde. Voilà les chevaux de Didier Guillemin qui se rapprochent avec des ressources. Merde, putain, j'ai bloqué mon truc, hein. Maintenant, 350 mètres à parcourir avec Maelek, qui semble prendre l'avantage. Attention à Istan de Lagarde, qui est maintenant décalé de son siège. Et puis à l'extérieur, on a Yamona de Palmas qui tente de refaire du terrain. Tout comme Lumal Pic, maintenant numéro 3, qui est lancé par son jockey. Il reste environ 150 mètres à parcourir. Maelek, le numéro 6, à l'avantage. Et bien, devant le numéro 5, Istan de Lagarde. Les deux chevaux entraînés par Didier Guillemin, qui vont former le couplet de cette épreuve. Et c'est l'inédit Maelek qui s'impose. La deuxième place pour le numéro 5, Istan de Lagarde. La troisième place derrière pour le numéro 3, Lumal Pic. Oh, j'arrête, j'ai bloqué mon portable. Il faut que j'arrête. Je ne peux plus envoyer des messages. On a un trio encore, un trio les gars. Il n'y a pas un truc pour faire des trios là ? Et oui, pas de fumée sans feu. Hein. Je comprends cette cote qui était très basse à l'ouverture ce matin, il y avait 2,70€. Bon les amis, à plus. Aujourd'hui, il y a la paye où il y a la paye pas loin. Attention, hein, toutes les courses ne sont pas bonnes à jouer, les gars. Tout n'est pas bon à jouer. Il y a des courses qu'on sent mieux que d'autres et qui ne sont pas payées. Il y a des courses qu'on ne sent pas et qu'on va chercher et puis on va être bien. Voilà. Faut suivre un petit peu son instinct, mais il faut un peu de confiance. Il faut gagner un peu de confiance aussi. Tu vas regarder sur l'application PMU, tu vas regarder les chevaux, tout ça. Si tu t'y connais, tu vas gratter un peu de confiance. Allez, bye bye les amis, merci à vous, bye bye. À demain. Ouais, demain. Bisous. Hein.